Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er mai 2023 et comme dit le dicton, en mai fais ce qu'il te plaît. Voilà. Fais ce qui te plaît, plaît, nani nana. Si c'est ça, c'est la chanson, non, vous savez. 5 h du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Clac, fais le verre en retombant sur le lino, je me coupe la main en ramassant les morceaux, je stérilise, l'alcool ça grise et wouh, 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 font les moutons sur le parquet. Bon, il a des moutons sur le parquet. Si. Alors donc, voilà, fais ce qu'il te plaît. Fais, chacun fait ce qui lui plaît. Ouh! Non, vous avez compris. Alors donc, comme nous sommes le 1er mai, moi, je viens de finir de travailler. Hein. Si. 4 h du mat, c'est pas 4 h du mat, mais c'est 4 h de l'après-midi, c'est fini. C'est ça. Alors donc, du coup, je vais ouvrir mon courrier. Hein. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end, parce qu'il se termine, hein, du coup. Ben, si, il se termine quand même. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme et que vous êtes en forme pour reprendre le boulot. Hein, si. Ou l'école. Voilà, c'est ça. Alors donc, comme je n'ai pas d'agenda du mois de mai, hein, je vais donc ouvrir ce carton, car dans ce carton, à mon avis, il y a l'agenda du mois de mai. Parce qu'on m'a dit, il faudra que tu ouvres le carton avant toute chose, donc je vais m'exécuter, bien entendu. Pour ce faire, alors, mais si, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même, parce que j'ai sorti mon vieil agenda des scrappeurs du cœur et tout ça, enfin, des scrappeurs du cœur ou pas, hein, d'ailleurs, il y a même des anniversaires de YouTube, hein, là-dedans, il y a de tout, hein. Si, il y a un peu de tout. Et alors donc aujourd'hui c'était l'anniversaire de Pélissier Sylvie, hein, dit Sissi. Ah si. Alors l'année dernière je lui avais fait une magnifique page. Hein. Est-ce qu'on voit bien cette magnifique page? Voilà, on dit qu'on la voit bien. Et alors un brin de nature, mai et le mois du muguet, mais aussi de la précieuse rose de mai. La rose de mai. Hein. La rose de mai. Alors donc voilà. Et alors également baptisée rose aux 100 feuilles. Voilà. Et alors, il n'y a pas d'épines, il parle des feuilles, il parle de sa couleur, mais pas de ses. Voilà. Rose vif, elle symbolise l'amour et distille un parfum puissant et sucré. Voilà. Donc on est très content. Alors, donc pour ce faire, nous allons donc ouvrir notre petit colis, hein, pour découvrir ce que Marilyn, je crois que c'est Marilyn, elle aime John. Elle l'appelle, mais il répond pas. Alors non, je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est pas du tout Marilyn, mais c'est Marilène. Hein. Ma Marilyn, Marilyn, tu es ma reine. Marilène, tu me fais bip dans le cœur, bip dans la tête, oh Marilène, ma Marilène, tu es super belle, mais Marilène, mais tu es la plus belle, oh Marilène, ma Marilène, Marilène. Vous avez compris, Marilène. C'est pas Marilyn, mais c'est Marilène. C'est pas tout à fait pareil. Alors donc on y va, c'est parti. Pour ce faire, hein, j'ai la mèche qui me gêne. Alors. Je vais retirer ma perruque. Non, parce qu'en fait, c'est pas. Non, c'est pas pour moi la perruque. Hein. Non, 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 c'est pour ma factrice. Alors, donc, c'est bon. Alors, puisque c'est ça, nous allons ouvrir ce colis. Alors, je ne sais pas dans quel sens l'ouvrir. Non, je suis embêtée. Il y a plein d'informations. Hein. Colis multiréférence, il y a marqué. Colis multiréférence. C'est un smiley comme ça avec une banane et deux, je sais pas quoi. Hein. Je ne sais pas. Elle a fait ça. Alors, je le remets là parce qu'il y a les marguerites, les papillons, les cœurs. À ouvrir qu'au 1er mai, s'il te plaît. Fais ce qu'il te plaît, fais ce qu'il te plaît. Que pour le 1er mai, que pour le 1er mai, à ouvrir que le 1er mai. Là, il y a marqué, comme il est beau le papillon, on se moque pas. Je me moque jamais de la vie, hein, jamais de la vie. Alors donc voilà, contrôle OK, contrôle OK. J'avais pas vu non plus ça, donc contrôle OK. J'insiste un peu, mais à n'ouvrir qu'au 1er mai. Bon, il n'y avait plus de face. Hein. Ah, elle n'a pas marqué au cul. Non, elle n'a rien marqué au cul. Non. Alors donc, voilà. Alors, c'est pas grave. Donc, je vais quand même ouvrir, parce que nous sommes le 1er mai. C'est n'importe quoi. Oh là là, la peau. Bon, j'espère que vous avez fait un bon repos, vous, un bon gros dodo ce matin, hein, si. Et puis voilà, on était très heureux pour vous. Très très heureuse pour vous. Hein. Oh là là. J'ai pas eu le temps de regarder tous les messages. Parce que j'ai vu que j'avais des messages, sûrement des messages de bonheur avec des milliers, des trucs, des bidules. Mais j'ai pas eu le temps. Non, j'ai pas eu le temps. Il y a marqué quoi là? Merci, merci, merci.
merci patron, merci patron. Alors, il y a des trucs. Alors, on va ouvrir, il y a des trucs. Le carton, il est blindé. Je vais mettre un peu de lumière. Hein. Si, un peu de lumière. Alors, papillon de lumière. Alors, pour NJ, numéro 1. Il est marqué. Bon, alors, je vais ouvrir. Oh là. Oh, oh là là. Je vous dis pas tout ce qu'il y a. J'en ai pour jusqu'à ce soir. Hein. C'est ça. Alors, donc, pour NJ. Oh, c'est joli. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. C'est qui? C'est qui? Oh là là, c'est très joli. Une carte et un ATC avec sur une patouille. C'est très joli. Hein. Il y a du glossy accent sur les clochettes. Je ne sais pas si on peut voir si on peut voir le glossy accent sur les clochettes et tout ça, la patouille. Oh, je suis sûre qu'on ne voit pas très très bien tout. Hein. C'est ça qui m'embête un peu cette affaire. Hein, la caméra, c'est un peu. Mais c'est tellement mignon, c'est tellement joli, Marilyn. Ma Marilyn. Tu es super belle, oh ma Marilyn. Alors on avait Ariel la petite sirène et maintenant c'est Marilyn. Hein. Alors donc du coup elle m'a fait une très très jolie carte adorable hein, sur un cardstock vert et tout ça, le brin de Mugi, j'adore. Alors je lis mon petit mot, le staff, trouver une nouvelle mission. Et une autre création ayant un thème, le Mugi. Alors en fait nous ne serons pas que tous les trois, donc tu as déjà quelques courriers, tu m'étonnes. J'ai beaucoup de courriers. Alors, qui patiente? Alors, très belle découverte. Angélique Perle des Anges, Ariel Coguez, Marilyn Gautreau. C'est les trois drôles de dames. C'est les trois drôles de dames. Il manque... Comment il s'appelait Ah, Bosselet, non? C'était pas Bosselet? Non, pas Osselet, hein, Bosselet, non? Le gars qui était avec les trois drôles de dames, là. Hein? C'était Bosselet qui s'appelait. Si. Alors donc là on a Angélique, Ariel et Marilyn. C'est ça. Donc voilà. Elles sont folles ces filles. Et donc le petit ACC assorti, n'est-ce pas? Regardez, hein, c'est très joli. Hein, regardez-moi ça, cette petite création. Hein, cette petite, comment on dit? Une petite parure. Hein, petite parure muguée. Donc c'est le 1 sur 1. Et donc évidemment, je vais garder ça précieusement. Avec tout ce muguet. Hein. Moi, j'ai pas été foutue d'en trouver un brin de fleuri. Hein. Ben, il était fleuri il y a 15 jours en arrière, hein, déjà. Alors, forcément, il est un peu fané. Puis, je l'ai offert, de toute façon. Et puis, en plus, j'avais plus que des feuilles toutes pourries. Hein. C'est le bouquet de la famille Adams. Le bouquet de muguet de la famille Adams. Alors, donc, du coup, j'ai ressorti une vieille photo qui datait des années... voilà, quoi. Il y a longtemps, quoi. Ça, c'est pour Angie de la part de la petite sirène. Donc, c'est Ariel. Hein. C'est ça. Alors donc pour ce faire, ah bah tiens il y a des cloches, c'est des dailles là? Ah non c'est pas des dailles, je sais pas en fait. Ah non c'est pas des dailles. Ah mais c'est super ça. Ah mais j'ai dû en recevoir déjà l'autre jour, non? C'était des... J'avais même dit que ça me faisait penser à des clochettes de muguet. Hein, c'est des petites je pense que c'est ça d'ailleurs, non? Oh là là, c'est bruyant hein. Si, c'est très bruyant hein. Les hélicoptères qui passent là, je sais pas. Et alors donc, il y a plein de jolies petites, voilà, hein, des petites choses, quoi, toutes mignonnes, hein. Des colombes, hein. Donnez-nous mille colombes. Alors, joli mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Alors donc, joli mois de mai. Ah, ben, oh, voilà, alors donc, ça c'est pour répondre, il n'y a pas de problème. Et alors, oh, c'est joli, hein. Oh, c'était tout mignon, ce petit marque-page brin de muguet, hein. Dis donc, je suis gâtée. Hein. Oh là là. J'aime bien le raffia, la jaune et vert, hein, avec le papier bien assorti. Ça fait super joli. Hein, super joli. Mais, alors, elle l'a écrit... ah ouais, elle a gratté sur un... Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle a fait une patouille or. Et puis après, elle a gratté pour faire ressortir le mois de mai. C'est super sympa. Super, super. Ça, c'est le papier embossé, là. Les grandes feuilles, là, 15... quand on les plie, ça fait une base 15-15, là, les blocs de papier embossé à froid. Hein. Et alors, le brin de muguet, là, il est de bonne taille. Il est de bonne taille. Vous avez compris, quoi. Je veux dire, il est... Parce que des fois, on a des dailles, mais ils sont tout petits. Donc, il faut avoir des doigts de fée pour utiliser ça. C'est très mignon, mignon. Mais il faut avoir des doigts de fée, être délicate, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Mais, du coup, le die, je les mets un peu de côté quand ils sont trop petits. Je les fais quand je suis vraiment très, très détendue. C'est compris, quoi. C'est... Alors, donc, pour ce faire, je zoome un petit peu. C'est pour que vous me voyez moins. Parce que... Alors, voici un petit courrier de la team.
C'est gentil. Ça, alors Ariel, c'est le HHH 134, PTP 103 et Seb 107 ou OE 43, la petite sirène. Oui, ben, il y en a plein qui ont un surnom maintenant. Hein. Enfin, qui, pas un surnom hein, d'ailleurs, c'est un nom de baptême. Hein, si vous êtes baptisé, puis c'est tout. Regardez-moi ça, cette jolie patouille. Elle est très, très, très jolie. Magnifique. C'est digne de Salvador Dali, ça. Hein. Si, si, c'est très beau. Hein. Alors, je sais pas comment elle l'a fait, elle n'a rien marqué. C'est bizarre parce qu'elle n'a pas marqué. D'habitude, elle marque comment elle fait. Et là, elle n'a pas marqué, mais c'est très, très beau. Hein. Ça fait très joli. Bon, vous avez compris, j'aime beaucoup. Je m'en sers beaucoup de vos patouilles. Hein. D'ailleurs, j'en ai plus. Hein. J'ai rien. Non, je déconne. Regardez, c'est joli, ça aussi, les pages de livres, voilà, ancrées, tamponnées, pour faire du vintage ou du chien marabouille. Il fait rire. Non, je peux pas vous raconter, je peux pas vous montrer, c'est trop tard. Mais il se barre, il met le poupi dans sa gueule et il se barre avec. Il me fait trop rire. Enfin bref, et donc voilà, je vous remercie, c'est très mignon. Oui. Alors je vais remettre tout ça là-dedans pour savoir de qui, de quoi, de qui est-ce. Vous avez compris quoi. Voilà. Ensuite, des petits Mickey Way. Ça, c'est côté bonbon. C'est bon les Mickey Way. J'adore ça, les Mickey Way. Oh, puis il y en a d'autres, ces trucs-là, il y en a des trucs. Oh, alors, Galaxy, ouais. Sankukai, c'est la gala, la galaxie. Sankukai, c'est la bataille. Je sais pas, ça n'a aucun rapport avec Galaxy, mais bon. C'est ça. Ça, c'est Angélique, donc Perle des Anges. Enveloppe réutilisable. Eh ben oui, faire un petit réutilisable. Je suis crânée. Alors, pour ce faire. Oh là là, il y a des caramels. Oh là là. Il y a des bons caramels. Regarde, Nabila. Nabila, caramel. Je sais que c'est les bonbons. Des bonbons préférés de Nabila. Elle aime les bonbons au caramel. C'est ça. Ils sont à moi, ils sont pas à toi. Nananer, patatadère. Si. Tu me files des loukoums, je te file des caramels. Hein. Ah, si. Alors, bon, voilà. J'adore ça. Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais ils sont faux. C'est pas vrai, ça recommence. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Il n'y a jamais de fin. Ça ne s'arrête jamais. Encore des caramels. Oh là là, je m'en. Ah, ben ça, je m'en mets plein la lampe. Hein. Là, là. Je sais pas comment. Pour la lampe, ça doit pas être ça l'expression, on s'en fout. Je dis ce que je veux, de toute façon, non, mais dites donc. Alors, ensuite, nous avons. Une jolie petite carte toute mignonne, barrière avec steampunk, hein, un style steampunk, il y a du papier steampunk. Tendre pensée, hop là, regardez, c'est joli, hein, c'est très joli. Et alors, avec l'ATC assorti et un petit ticket. Alors là, elle avait mis pour bloquer ces choses, une petit rond embossé à froid, hein, très joli. Petit carstock noir, hein, enfin carstock, je dis toujours carstock. C'est pour dire que c'est un papier un peu épais et voilà. C'est pour ça que je dis cardstock, c'est parce que ça parle à tout le monde, non? Ticket bonheur. Un petit ticket bonheur. Il y a marqué à 03-03-23. C'est la date que tu l'as fait, j'imagine. Je crois que j'en ai jamais fait, ça, des tickets bonheur. C'est je sais plus quelle chaîne. Je ne sais plus quelle chaîne. Je sais plus quelle chaîne c'est qui fait ça. Parce que si vous évidemment celles qui savent vous le mettez en commentaire pour celles qui voudraient faire des tickets bonheur et qui par respect nomment la enfin remercie la personne qui ben, parce que vous aimez bien faire ça donc vous remerciez la personne de l'idée et tout ça et nanani et nanana c'est ça nanani nanana je ne fais pas c'est pas que je veux pas tout ça au début je faisais maintenant je fais plus parce que bon c'est pareil j'aime pas trop les histoires les machins donc je ne fais plus voilà. Ça, c'est le petit ATC assorti à sa carte. ATC, tout mignon, mignon. Un joli papillon. Hein. Il est très beau, hein, c'est un papillon steampunk. Hein. Alors, il a été. Il est mécanique. Hein. Il est mécanique. Il y a des rouages, tout ça. Hein. C'est très mignon, voilà. Voili, voilou. D'accord. D'accord. Bah, de toute façon, oui, d'accord. C'était très, très joli. Hop là. Ensuite, nous. Ah, je vais remettre au fur et à mesure dedans aussi, c'est pareil. Tiens, ce stylo-là, c'est un stylo, ça, mais dites donc, je crois bien que dans ma collection. Attendez, parce que je crois que dans ma collection, c'est bizarre, ça me dit quelque chose. Non? Si, hein? Non? J'ai rêvé? Bon. Attendez, je regarde, j'ai le droit, hein, mais dites donc, ma collection. Non? Ah bon? Hein? Ah ouais? Ah non, j'étais persuadée, c'est bizarre, ça, quand même. Non? Ah non, hein?
Ah, il y a celui-là, tiens, c'est bien ça, je n'utilise pas. Tiens, je vais le sortir, je vais me mettre là, il y a des couleurs. Ben non, je croyais. Bon, ok. Non, non. Vous devez mieux suivre que moi. Vous savez mieux ce que j'ai que moi. C'est ça. Parce que là, c'est des pompons et tout ça que je mets là, les pompons. Et puis là, je vais casser un bras. Ah non, c'est pas celle-là. Ah non, je croyais. Vous voyez rien du tout à ce que je fais. Hein, non. Il y a la bagarre là. C'est quoi qui est tombé encore? Ah non, c'est le bouchon. Je crois que j'avais encore cassé le truc. Ça aurait pu. Hein. J'avais un autre, un bonhomme là qui se battait. Ah ben non, ben, je l'ai pas. Bon, ok. J'étais persuadée. Hein, c'est bizarre. Hein. Et c'est très très. Enfin, vous m'envoyez tellement de choses que j'arrive pas à me rappeler ce que vous m'envoyez. Et puis, c'est super joli. C'est un stylo en fait. Je ne vais pas le sortir. Je vais le ranger tout à l'heure tranquillement. C'est un stylo avec une marguerite, enfin une marguerite ou une pâquerette prise dans la résine, hein, dans de l'époxy, quoi. Hein. Et c'est super joli. Il est trop beau. Il est mauve. Il y a la marguerite. Hein. C'est trop joli, hein. Et il écrit bleu, hein, blue writing, hein, écriture bleue. Hein. Super joli, c'est un stylo à billes, quoi. Ballpoint, blue writing, vous avez compris, quoi. Stylo à billes, écriture bleue. Voilà. Oh, m'a fait un brin de muguet en origami. Oh, c'était tout mignon. Oh, c'est vachement bien, hein. Oh, c'est trop sympa, hein. Ah, ben ça, j'ai jamais eu non plus. Hein. Jamais, 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 hein. C'est trop sympa, trop sympa, trop sympa. Alors je vais le faire pencher, hein. Je vais le faire pencher, hein, parce que le muguet, c'est comme ça que ça se met. Mais non, le muguet, il est comme ça normalement. Non, tu disais qu'il était comme ça. De toute façon, je mets comme je veux, ça à moi, de toute façon, maintenant. C'est trop tard, hein. Le muguet, c'est comme ça, hein. Si, hein. Voilà, là, c'est du muguet. De toute façon, je suis sûre qu'elle m'aurait dit, t'aurais dû le pencher, parce que le muguet, c'est comme ça. Je suis sûre. Je l'entends, hein. Courbelé, courbelé, courbelé. Courbelé. Voilà, t'as vu? Hein? C'est mieux comme ça. Si, c'est mieux. Hein. Ouais. Je pense qu'elle m'a... Je l'ai entendu me le dire. Elle était en train de crier. J'ai crié, crié. Oh, baisse les brins de muguet pour que ça ressemble à du muguet. J'ai crié, crié. Non, je le mets là-haut. Hein, ça a apporté bonheur. Je l'ai mis sur mon bureau. Enfin, tu te doutes bien que je l'ai pas mis à la poubelle. Alors, le caramel. Et ça, c'est un autre style d'origami, de carte à plat, hein. Elle a mis le muguet à plat, c'est super sympa, hein. Vous vous êtes éclaté, quoi, c'est le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Ah, oh, c'était trop mignon. Non, mais trop fort, hein. Mais c'est bien. Oui, c'était trop mignon. Les papillons, les cœurs, les tout ça, tout y est, hein. Et si, tout y est, hein, le muguet. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Ah, il y a un petit mot. Un petit mot. Il est où le bonheur? Il est où? Alors, petite carte. Ah bah oui, je me doute que tu as suivi des tutos origami surtout. L'origami, là, pour faire le brin de muguet, sûrement. C'est pas facile l'origami, hein. C'est pas facile du tout l'origami. Bon, il y a des choses simples à faire, mais là, déjà, le muguet, déjà, voilà. C'est un peu compliqué. J'aime bien faire de l'origami, moi, mais pour des occasions pareilles, très spéciales. Sinon, j'en fais jamais, hein. C'est vraiment le dernier que j'ai fait origami, si vous, celles qui me suivent, en tout cas, c'est la guitare. C'est la guitare pour Michel, parce que pour Michel Scrap, parce que son petit, il était à l'hôpital, il s'est cassé le bras et tout ça, et puis il rêve d'avoir une guitare. Alors voilà, c'est le dernier. Ben, j'en ai bavé pour la faire parce que c'est pas facile. C'était pas facile, pas facile, pas facile. Donc voilà, je sais que c'est difficile. Et ça fait super sympa, c'est toujours original. Et je te remercie infiniment de me faire découvrir ça, j'adore. Ensuite, mes petits goûters. Oh, voilà, des cookies, ça doit être bon ça. Hein. Bon, c'est très très bon ça avec un petit café. Hein. C'est très très bon. Hein. Pépites de chocolat, miel et orange. Oh là 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 là, tout ce que j'aime. C'est bon pour la santé ça. Hein. Ah si, c'est très bon pour la santé. Hein. Le miel, l'orange, le chocolat, c'est plein de magnésium. Le chocolat, c'est plein de vitamines C. Le chocolat, c'est plein de magnésium. L'orange, c'est plein de vitamine C. Et le miel, c'est très très bon. Hein. C'est très bon. Si on disait que c'était très bon. Ça remplace le sucre. Je te remercie infiniment. Je mets ça dans mes gourmandises. C'est ça. Oh non, tout ce qu'il y a. Les Maltesers, c'est Milky Way. C'est quoi ça? Ah, les galaxies. Hein, galaxies. Galaxies, galaxies.
Dépenser à quelque chose, Galaxy, mais je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que tout ça encore? Alors, parce que ce n'est pas fini. Non, 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 ce n'est pas fini. Alors, madame. Oh, une petite carte pour la factrice. C'était tout mignon. C'est de Marilène. Je regarde, on regarde hein, ce qu'elle a fait. Oui, c'était tout mignon. Oh, c'est joli, le scooter. Oh, c'était trop bien. Ah, j'adore. Avec tous les timbres estampillés et tout ça. Oh, c'est super sympa. Elle va être. Oh, voilà, vous savez que c'est long hein, d'attendre. Hein. Parce qu'il faut que j'attende encore tout le mois de mai. Tout le mois de mai. C'est ça. Oh, c'est gentil. Hein. Oh, c'était trop mignon. C'est trop sympa. C'est trop, trop sympa. J'adore l'idée. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais mettre ça dans sa petite boîte. Tinanère, tinanère, tinanère. Tinanère. Hop là. J'ai plus de place, hein, faut que je change de carton. Mais je vous l'ai déjà dit, hein, mais bon, c'est vrai en plus. Mais je mettrai en temps et en heure, puisque ce n'est pas demain, c'est pas demain que je lui donne. Hein, donc voilà, voilà. Ensuite, donc ça doit être l'agenda. J'imagine que c'est l'agenda, bien sûr. J'imagine. Oui, Angie, tu imagines bien. Alors j'ai hâte hein, de découvrir. Hein. Et c'est bien emballé, dans du papier or, s'il vous plaît. Il y a marqué quoi là? L'aventure, l'aventure. Et d'aventure en aventure, de train en train, de port en port. Jamais, ah non, je te le jure, je n'ai plus oublié ton corps. Mais d'aventure en aventure, oh li la la. C'est ça. Oh li la la. Oh, je n'ai plus oublié ton cœur. Regardez-moi ça, c'est joli. Il était si joli, ton agenda de mai. Il était si joli. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop joli. Alors, j'aime bien parce que j'aime bien. Non, il y a plein de choses à dire, mais c'est surtout que j'adore comment elle a écrit le mois de mai avec sa plus belle écriture. Hein, vous voyez, c'est très joli. Hein, j'adore, j'adore, j'adore. Alors les sentiments tout près, tout ça, c'est formidable. Hein, c'est pratique, c'est machin. Mais alors quand on a une belle écriture, oh, il faut privilégier son écriture. Hein, c'est quand même, c'est que, oh là, moi je regarde ça sur. C'est une des choses que je regarde sur comment Pinterest là, les TikTok, les machins. J'adore regarder. Vous savez, quand ils font des trucs d'écriture, de la calligraphie, quoi. Je suis en train de chercher le bon terme. J'adore, j'adore, j'adore regarder des vidéos de calligraphie. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que, en fait, comme moi j'écris mal, j'adore regarder ceux qui savent le faire. J'admire, en fait. Moi, je suis comment, une contemplatrice. Hein, j'ai un tempérament comme ça. C'est-à-dire que je peux regarder des choses pendant des heures et alors ça gave les autres. Bon, on y va, bon, on y va. Non, mais c'est pour ça que je suis toujours. Parce que c'est pas possible d'être avec moi, c'est très pénible. Hein. Est-ce que je peux regarder des heures quelque chose? Voilà. Sans m'enlacer. Et ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bravo pour toutes les filles qui écrivent, qui ont une belle écriture comme ça et qui font de la calligraphie, quoi. Et se trouve que c'est largement mieux qu'un truc tout prêt, quoi. Bien sûr. C'est bien les trucs tout prêts. La preuve, moi je m'en sers. J'ai pas le choix. Mais c'est beau, hein. C'est très beau. De toute façon, j'ai toujours mal écrit, moi. Même à l'école, j'avais toujours des commentaires brouillon, brouillon, brouillon. Je sais plus si c'est brouillon ou souillon qu'ils disaient. Brouillon, je crois. Moi, je m'en rappelle plus. De toute façon, je m'en foutais. Ça changeait rien. Ça changeait rien au problème. Ça m'a pas empêché d'être pas trop bête. Hein. Non, bah non. Hein. Ouais, donc, on ne peut pas être parfaite en tout. Hein. Non, bah c'est pas ma faute. Donc c'est très joli, hein, regardez le charme qu'elle a fait. C'est très beau, hein? Oui, c'était très beau. Le cœur, le papillon, la marguerite, hein, bien sûr, hein, vous aurez remarqué que la forme métallique, c'est la marguerite, le cœur. C'est très joli, hein, c'est d'une finesse, c'est très mignon, très mignon, très mignon. Oh, ma Marilène. Et là, elle a tamponné des cœurs, hein. Il y a les marguerites, il y a les cœurs et tout. C'est super joli. Le petit papillon, là, il est beau, ton embellissement papillon, là. Je sais pas si c'est pas un double papillon qu'elle a fait un collage, non, je sais pas. Je sais pas. Bon, on ouvre pour savoir le 1er mai. Un joli ruban satin bleu, un bleu nuit. C'est magnifique. Il est trop beau ton ruban. Oh là là, il est trop beau. Ouh là là, ouh trop beau. Alors je le mettrai dedans. Ce que je vais faire, mais j'ai le droit, je fais tout ce que je veux, c'est à moi maintenant. Bon, si c'est à moi, c'est à moi. Non mais dites donc, j'ai le droit. Hein. Alors si j'arrive à faire ce que je veux, bien sûr. Je vais le faire de toute façon.
Et je vais l'accrocher là, parce que c'est en souvenir. Et comme ça, je peux le fermer là, comme ça, vous voyez? Un petit cahier à spirale. Je vous donne un tuyau pour fermer votre cahier à spirale. Vous accrochez un ruban là, vous faites ça, hein, hop, hop. Et là, bon, je l'ai mal égalisé, hein. Il y a un côté plus long que l'autre. Mais vous le faites bien, hein, bien sûr. Et vous fermez votre agenda comme ceci. Hein, voilà. Hein. Et là, comme ça, c'est fermé. Et votre ruban, vous ne le perdez jamais. Hein. Voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut faire. Hein, vous avez compris? Si. Donc, moi, je l'accroche là. Et je fais un joli petit nœud. Mais si, je fais un joli petit nœud, tout mignon, mignon. Hein. Hop là. Comme ceci, comme cela. Voilà, et je vais même faire un double nœud, hein, un quadruple nœud, parce que je fais tout ce que je veux. Ben si, je fais ça, puis c'est tout, hein. Comme ceci, hein, hop, un double nœud. Et comme ça fera un joli papillon bleu. Il ira, vous voyez, on disait que le papillon était amoureux d'un autre papillon. Et si, oh là là, on disait ça, puis c'est tout, on dit tout ce qu'on veut. Allons, regarde, si j'ai hâte, moi. Ah ben, il n'y a pas de page. Elle m'a fait des blagues, elle m'a laissé des pages blanches. Hein. Si, elle m'a fait des pages blanches. Bon, alors c'est quand le 1er mai? C'est quand? Alors, ah, donc, si c'est le début, ça c'est pas la fin, j'espère. Non. Alors c'est quoi? Oh, c'est joli ça aussi. Ça c'est une marque-page. Vous avez vu, elle m'a fait un joli marque. C'est trop joli, hein? Elle m'a fait une petite griffe là, accrochée comme ceci avec un ruban satiné, et puis des rubans là comme ça pour faire un marque-page intégré au. C'est superbe, hein? C'est superbe, j'adore l'idée. Il y a marqué quoi? Une belle journée. C'est une belle journée qui commence, une très belle journée qui n'a ni là. C'est une belle journée. Bon, ça, c'est la chanson de Mylène Farmer, mais j'ai du mal à retenir les paroles. Mais c'est une belle journée. Alors. Eh oui, on est déjà en mai. Ouais, je sais. Alors, j'ai pas arrêté d'y penser ce matin. Ah, je fais ce qu'il me plaît. Non, mais. Ben oui, en mai, il faut faire ce qui vous plaît. Hein. Ce qui vous plaît, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît. Il y a même les trucs les plus loufoques. À partir du moment où on fait mal à personne, on peut. Je suis un peu bizarre, mais heureusement, j'ai trouvé des amis qui le sont autant que moi. Voire pire. Non, voire pire, c'est moi qui le rajoute. C'est ça. 1er mai. Ouh, titi, tout mignon. Ah non. Ça sent le muguet? On disait que ça sentait le muguet. Regardez, c'était joli. Hein. Elle a tamponné 1er mai. Hein. C'est très beau. Hein. J'embaume l'air. Non. J'ai le droit, hein. J'ai le droit de regarder, hein, des trucs. Ah oui, c'est dedans. Ah. Ah, ben c'est justement, c'est tout petit. Alors, ah ben voilà, c'est de cela que je parlais. Tout petit, 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 petit brin de muguet. C'est de cela que je parlais. Qui c'était tout petit, je te remercie de les avoir fait pour moi. Non, ça me stresse de faire ça, moi. Oh là là, ça me détend pas du tout, moi, de faire les toutes petites découpes comme ça. Mais alors, ça pète pas du tout. Donc, quand on me les fait, alors là, je suis aux anges. Je suis aux anges. Ouais, parce que donc elle m'a fait plein de petites découpes de muguet. Et je pourrais faire des petits ATC. Parce qu'avec les petits. Bah tiens, je vais le sortir. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je me tue à essayer de le laisser dedans. Je ferai des petits ATC avec. Pour envoyer. Je ne sais pas à qui. On va avoir à réfléchir. 1er mai. Bonne fête du travail. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Alors, le 1er mai est officiellement la fête du travail et un jour férié, chômé et payé en France. Les travailleurs défilent dans les rues pour les meilleurs salaires. Plus de droits ou moins de chômage. Le 1er mai, c'est aussi une journée de repos en famille, à l'occasion d'offrir un brin de muguet porte-bonheur aux personnes que l'on aime. Voilà. Hein? Puis on est content. Je mets un peu plus. Je suis dans le noir. Dans 5 minutes, je suis dans le noir. Et donc voilà. Et c'est l'anniversaire de Sissi, hein, Sylvie Pélissier. Allez. C'est demain. Non, mais j'ai le droit de regarder. Hein. Non, non, j'ai pas le droit. Parce que c'est pour être sûr que c'était. J'ai compris le système. Alors donc, un très bon anniversaire à Sissi. Et alors, oui, c'est ça. Il faut soulever comme ça. Mais je suis désolée, j'ai un peu de mal. Oui, j'ai un peu de mal. Elle m'a tamponné une jolie libellule. Vous voyez clair, parce que j'ai pas de lumière. Je sais pas ce qui se passe. Je suis dans le noir. Alors un peu d'exercice physique avec Joy. On disait que je faisais de l'exercice avec Joy. C'était tout mignon. Et Robouille. C'était trop mignon. Et nous toutes te soutenons. Et 1, et 2, et 3, 0. Tiens. Bon, là, quand vous me verrez faire des machins comme ça, c'est que. Oula, il y a un truc qui est tombé par terre et j'essaye de le ramasser. Hein, mais sinon que dalle. Hein. Ça va pas, non. Bon, je fais pas de gym. Hein. Oula là là là.
Et 1, et 2, et 3, 0. C'est trop mignon, trop trop mignon. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop adorable. Je te remercie du fond du cœur. Et bien, j'ai hâte d'être au 2 pour savoir ce qu'il y a dedans. Hein. Alors, je pourrais refermer, comme vous avez compris, mais je ne le ferai pas. Non, je ne le ferai pas. Donc voilà. Ah oui, on va regarder, tiens, en fait, avant toute chose. Donc on est content, on va découvrir plein de choses qu'elle nous a fait. Moi, j'adore. Alors, le 1er mai. Hop là, bien marqué. Écrire avec un beau stylo à plume. Ah! Oh. Ça, bah justement, j'en ai parlé hier. J'en ai un magnifique que mon papa il m'avait offert. C'était le sien hein, et il me l'a offert il y a très longtemps. Bah, je crois que c'est la première année que je l'ai, la première ou la deuxième année que je l'ai conseillé, qui m'a répondu à mes nombreux appels. Et donc, du coup, j'écris avec de temps en temps, mais quand. Voilà quoi. Et alors, c'est vrai que c'est beau hein, d'écrire avec un stylo plume, hein, mais comme j'écris mal, il ouais, faudrait que je m'entraîne quoi. Il faudrait que je m'entraîne. Donc c'est vrai qu'écrire avec un beau stylo plume, on vient d'en parler, d'une belle écriture, c'est vraiment génial, c'est formidable, c'est formidable. C'est un art que j'adore, que j'adore, que j'adore. Et donc voilà. Et là, un truc inutile à savoir. Le premier mai, tout est permis ou presque. En tout cas, ce jour-là, sur la voie publique en France, la vente du muguet est tolérée sans autorisation. Ouais. Alors, quand j'étais petite, je n'étais pas grande, mais non, je ne faisais pas ça à tous les passants. Non, je ne faisais pas ça. Non, mais enfin bon. Alors donc, là, souvent, la veille du 1er mai, enfin, les quelques jours avant, le week-end d'avant, souvent, mon vieux et ma vieille. Ah, mon vieux par-dessus râpé. Non, c'était pas celui-là. Alors donc, le méchant papa et la méchante maman. On allait, j'aimais bien faire ça, moi. J'adorais, on allait dans les bois et ramasser du muguet. Et après, moi et ma sœur, on allait dans les HLM et on vendait les brins de muguet. Parce que ça passe mieux si c'est des enfants qui vendent. Les gens, ils achètent. Si, vous voyez des petits mioches là avec leurs petits brins de muguet. Alors, on allait au muguet, donc, et puis on faisait des bouquets après. Et puis, on allait vendre ça en porte-à-porte à toutes les portes du HLM. Et puis, on prenait notre air petit malheureux et on disait, vous m'achetez un petit brin de muguet? Si, moi j'ai fait ça, si, si. Mais j'aimais bien faire ça, ça me dérangeait pas. Non, ça j'aimais bien. Ouais, aller ramasser les fleurs, tout ça, faire le porte-à-porte, c'était un peu. Comme je suis pas vraiment timide, vous l'aurez compris. Ça me dérangeait pas trop. Ça me dérangeait pas trop, j'aimais bien. Voilà. Bon, on n'avait pas les sous, mais bon. On avait le plaisir d'aller le ramasser. Moi, c'est vraiment un plaisir pour moi d'aller aux fleurs. De faire ça, quoi, d'aller dans la nature, on va dire. Donc voilà, tout le monde peut vendre du muguet, ça c'est bon à savoir, hein, ça fait un peu d'argent de poche pour les enfants qui veulent vraiment avoir un peu d'argent de poche, mais je pense que les enfants ils vont plus au muguet maintenant. Je pense pas, non. Non, je pense pas. Alors donc voilà, c'est parti, on va ouvrir toutes les cartes, toutes les cartes. Alors là, je n'ai plus d'informations et je me rappelle plus. J'espère que les cartes sont signées parce que vous savez, des fois dans les envois, il y avait des cartes et qu'il fallait que je mette de côté. Alors c'est ce que j'ai fait. Mais alors, j'espère qu'elles sont signées parce que ben, je ne me rappelle plus quoi. Et alors, celle-ci, hop là, elle est très jolie enveloppe, très jolie enveloppe. Et donc, on dirait un vrai. Waouh, c'est trop beau. Hein. Ah, ben tiens, c'est pas le brin qui était parti quand j'ai sorti. Ça, c'est un des derniers arrivés, je crois. Hein. Je suis quasiment sûre que c'est un des derniers arrivés. Ok, d'accord. Alors donc, ben, je le collerai comme ça. Je pense qu'il en fait partie. Ah non, il va là. Je suis nuche, moi, n'importe quoi. Il va là, le truc. Alors attendez, ça commence bien. Ça commence bien. Le premier brin est né. Je l'ai déniappé. Non, ça y est, je l'ai remis. Je savais qu'il y avait un brin qui était tombé. Je l'avais mis de côté. Je m'étais dit, je le remettrai quand je trouverai la carte. Et regardez comme c'est joli. Bonheur à partager. Oh, t'es tout mignon. Oh là. Alors, oh, t'es beau. Oh, regardez tous les petits papillons mauves. C'est trop joli. Un brin de bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Il est où le bonheur? Il n'y a pas de signature, hein, zut. Hein. Oh zut, hein. Je ne me rappelle plus. Hein. Je ne me rappelle plus qui c'est. Mais en tout cas, elle est trop beau, trop beau, trop beau. Je te remercie du fond du cœur. C'est trop, trop magnifique. Trop, trop magnifique. Alors, je vais le remettre avec toutes ces clochettes. Hein. C'est ça. Tant qu'à faire, hein. C'est mieux quand même quand ils ont toutes les clochettes. Alors celle-ci, c'est, je ne sais pas qui non plus, à ouvrir le 1er mai, hein, il y avait marqué, donc ben, je respecte, de toute façon je respecte toujours. Oh, c'est beau, oh, c'est beau, le pot de muguet, oh c'est trop mignon, dites-le avec des fleurs. Si. Oh, et ça c'est pareil, hein, ça me rappelle, mais j'ai le droit, hein. Oh, c'est le courrier, c'est férié, de toute façon... Un inconnu vous offre des fleurs. Vous savez, il y avait une pub de ça là. C'était pour, je sais plus pourquoi, c'était comme
C'était pour Interflora, peut-être, non? Je sais pas. Non, pas Interflora, je ne sais pas. Mais pourquoi il y avait toujours un inconnu qui lui offrait des fleurs à la fille dans les rues, là? Un inconnu vous offre des fleurs. Ça vous est déjà arrivé, ça? C'est ça. N'importe quoi! Non, c'est ça. Alors, donc voilà. Non, il n'y a pas d'inconnu qui nous offre des fleurs. Mais bon, enfin, peut-être que vous aussi, hein, moi non. Hein. Regardez, c'était tout joli. Tout mignon, mignon, hein, c'est très beau. Hein. Quel travail les découpes avec les clochettes et tout à accrocher. Oh là là, oh là là. C'est trop mignon, trop mignon, trop mignon. Il y a une base de cardstock, hein, et puis le joli ruban là, il est très beau. La couleur, j'adore. La même couleur que les petits strass là, c'est super bien fait. Hein. C'est super beau, super beau, super beau. Super, super beau. Vous avez compris. Alors ça c'est qui? Ah ben c'est ma Josette. Des millions de bisous. Alors, qu'est-ce qu'elle a mis à ouvrir le 1er mai? Hein, je respecte. HHH19, un PTP32, SM38, OE, point d'interrogation. Elle ne sait plus, elle ne sait plus, puis moi non plus, bien sûr. Il faudrait que je recherche, mais là, comme j'ai décroché pour tout refaire, j'ai le temps de rien, c'est une catastrophe. Hein. Ça va, bon, ça vous le savez. Oh là 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 là, c'est trop beau. Léon, il est beau ton die, hein. Il est magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Hein. Oh là là, oh, regardez comme c'est joli. Il est beau le die qu'elle a là, il est magnifique. Hein. Il est gros, il est beau. Elle a colorisé en vert les feuilles là. C'est très très bien fait. Hein. Vraiment, c'est très beau. Le cœur, c'est trop joli, trop joli. Oh là là, oh là là, c'est trop mignon. Oh, c'est chouette ça, regardez les découpes. Hein. Oh, c'est trop beau ça. Hein. Oh, je te remercie. Regardez comme c'est beau la marguerite en 3D et tout là. C'est très joli, hein. Très très joli. Hein. Elle a fait une petite pochette avec un petit soufflet. Hein. Il y a même un petit soufflet. Hein. Hop là. Vous voyez, comme ça on peut en mettre plus des choses. Hein, parce que... Et donc là, elle m'a fait ces jolies petites découpes que j'adore. Hein. Ça peut représenter sûrement comment que ça s'appelle là, les pissenlits, non, peut-être. Hein. Mais sinon, oui, en guise de soleil et tout ça, c'est super joli. J'adore. C'est très beau. Très très joli. Oh, c'est beau là ton mood board là. Joli souvenir. Il est super beau son mood board. Magnifique, magnifique, magnifique. Hein. Donc elle a fait des petites cases. Hein, comme ça lui a. Voilà, comme ça l'a pris. Hein, comme ça l'a pris. C'est super mignon. Et après, le thème des papillons, quoi. Les papillons et les encres. Les encres oxydes ou peu importe. Ah oui, tiens, je vais répondre à une question parce que vous savez, j'ai fait une petite vidéo comme ça. C'était vraiment pour dire, pour partager un petit moment comme ça. Mais parce que c'est rare que je fais ce genre de vidéo parce que tout le monde n'a pas justement les oxydes, les distress oxydes, ink et tout ça. Voilà, tout le monde n'a pas ça. La plupart de mes abonnés ont des encres de chez Action. Mais c'est très bien les encres de ces actions. Alors, parce qu'une fois, j'ai dit les encres de chez Action, j'achèterai plus et tout ça. C'est pas vraiment ça que je pensais. C'est-à-dire que le problème ce qui est énervant avec les encres de chez Action, bon, là, il faut tester avant pour avoir la couleur parce que ça correspond pas vraiment. Les oxydes, vous achetez une distress oxyde, la couleur qui est sur la boîte, c'est la couleur que vous aurez sur votre papier. Voilà. Si. Bon. Celles qui me disent le contraire, non, mais de toute façon, il n'y a personne qui me dira le contraire. La distress oxyde, la couleur qui est sur la boîte, c'est la couleur que vous aurez sur votre papier. Ce qui n'est pas le cas pour les encres Action. Les encres Action, la couleur que vous avez là, testez-la sur le papier que vous voulez avant, une petite chute, vous testez la couleur que ça donne ce que vous aimez, enfin ce que vous voulez, parce que souvent souvent ça ne correspond pas à la couleur, c'est sûr pour l'avoir, ça met plein, plein, plein de fois hein, tout le temps d'ailleurs, quasiment tout le temps. Et alors c'est pas ça, c'est que moi je m'en sers beaucoup hein, beaucoup, beaucoup hein, bien sûr hein, parce que les distress, j'en ai pas beaucoup hein. J'en ai très peu. Et même pour faire la démonstration, j'ai commandé, parce que je les avais en oxyde, mais je ne les avais pas en ink. Et donc, je les ai commandés en ink pour pouvoir vous faire la démonstration et la différence. Voilà. En général, quand j'en achète, j'achète les oxydes. Voilà. Parce que c'est comme ça. Mais les inks, elles font des effets très très jolis. Quand on veut des effets aquarellables et tout ça, des effets de gouttes et tout ça fait super joli, hein. Mais bon, il faut avoir les moyens d'acheter les deux, hein, vous voyez, les oxydes, les inks, hein, parce que ça donne pas du tout les mêmes résultats. Pas du tout, hein.
La démonstration, je ne sais pas si ça a bien. Si à la caméra et tout ça, on voit. Mais quand même, il y a quand même des différences. Bon, bref, tout ça pour revenir sur. Donc, vous n'avez pas les auxiles, mais vous inquiétez pas, ce n'est pas. Ça fonctionne très très bien ce que j'ai fait là, les patouilles avec les encres de chez Action. Hein. Voilà. Mais là, ça serait peut-être, ça se rapprocherait peut-être plus de leasing. Peut-être. C'est moins crémeux. Elles sont moins crémeuses. Les oxydes, elles sont très très crémeuses, très 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 pigmentées. Mais ça, là aussi, c'est pigmenté. Hein. Il y a des encres de chez Action, des fois, les pigments. Ah bah ça, la couleur, il y a de la couleur. Mais il y en a, non. Enfin, il n'y a pas de règle. Hein. Il faut tester. Faut tester avant de faire un truc qu'on a envie de faire. C'est tout. Et puis, ah oui, non, ce que je voulais dire, ouais, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, bon, bah, le petit truc là, ça là, bon, bah là, ça va, il tient bien. Il tient bien, le petite mousse. Mais souvent, moi, ça m'arrive souvent, c'est pour ça que je vous en parle, je dis, c'est que le truc en mousse, il se barre. Oh, alors, il se détache du support. Alors, c'est ça qui est embêtant. C'est ça qui est embêtant, c'est tout. C'est vraiment. Par contre, du pigment, il y en a. Hein. J'en ai partout. Non, mais je m'en sers énormément. Hein. Je m'en sers énormément. Mais voilà, des fois le pad se barre, des fois la couleur, c'est pas la bonne couleur. On est content quand même de les trouver parce que c'est pas cher. Hein. Bah si, hein. On est content. Moi, je suis très contente de les avoir. Hein. Voilà, hein, parce que sinon, voilà, faut juste avoir un peu. Si on a les moyens, ben, on peut prendre des distress, hein, au contraire. Hein. Mais voilà, mais vous pouvez faire ce que j'ai fait, vous pouvez le faire avec tout ça pour dire ça. C'est comme d'habitude. Ouais, c'est comme tout ça pour dire que les encres actions, vous pouvez faire les patouilles qu'on a fait là, pouf pouf, tartiner, faire des gouttes d'eau, mettre un sopalin pour machin. Vous pouvez faire exactement la même chose. Hein. Exactement. Voilà. C'était juste un petit truc comme ça en attendant, je sais pas quoi, rien à faire quoi. Un DFC. Voilà, c'est un DFC. C'est pareil, je ne sais pas ce que c'est, je m'en rappelle plus, je ne sais plus qui le fait, machin, je ne sais plus, je sais plus ce que ça veut dire. Non, je ne sais rien, je ne sais rien. Mais ça, c'est le DFC. Alors, je sais pas, vous mettrez en commentaire, à ma Josette, hein, tu mettras en commentaire si tu veux bien sûr, où est-ce que les filles peuvent faire ça, à quoi ça correspond, et puis qu'elles aillent directement sur la chaîne de la personne qui lance le DFC. Hein, voilà. Je sais pas ce que c'est. Non, je ne sais pas. En tout cas, c'est très mignon. Voilà, il y a deux coccinelles, un papillon, des petits cœurs. C'était tout mignon. Et puis les marguerites, bien sûr. Hein. Tout y est toujours. Hein. Plus les coccinelles pour me porter bonheur. Elles sont mignonnes, les petites coccinelles, je trouve. Donc voilà. Et puis ça, c'est. Voici quelques brins de muguet pour qu'ils te portent bonheur pour toute l'année. Oh, c'était tout mignon. Voilà. Voilà, elle m'a fait un joli tag comme ça. Porte bonheur, muguet. Je te remercie, ma Josette. Je te remercie du fond du cœur. Voilà. Hop là, j'espère que tu vas mieux parce qu'elle était malade, hein, Josette. Alors ça, c'est qui? C'est le HHH 245. Pas de triche, surveille si j'ai le droit. C'est ça. Mais non, je triche pas. Non, je triche pas, en plus, c'est vrai. Hein. Donc, voilà, voilà. Alors, HHH 245. Mais, hein, parce que hop là. Oh, tout ce qu'il y a là. Il y a une jolie petite carte, c'est tout mignon avec les avec des ah ben ça c'est un die de chez Action, c'est un die de chez Action qui découpe comme ça et ça fait super joli. Elle a mis des papiers différents, elle l'a fait avec plusieurs papiers différents ou alors après elle a et alors elle a fait un ça peut servir de mood board ça je trouve. Ça fait super sympa décliné en toute voilà les papiers collection de voilà qui est bien. Okay, c'est joli, hein, les trois petits strass. Il y a marqué quoi? Inspirer, expirer, profiter. Point of view, point of view, point de vue. Et alors, la petite marguerite. Et alors, c'est qui? Eh ben, c'est Marguerite, c'est Aurore. Hein. Donc, c'est trop gentil. Que de suspense, elle dit. Que de suspense. Oui, c'est vrai, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver avec moi. Non, on ne sait jamais ce qui va arriver. C'est vrai. Alors, regardez le petit carnet qu'elle a fait avec les élastiques. C'est elle qui l'a fait, hein? Trop, trop bien, hein? Si. Attendez, il faut que j'arrive à. Dans quel sens? Comme ça. Hop là, c'était tout mignon. Oh, elle m'a fait des sauts. Ah oui, tiens, c'est pareil. Parce que ça, c'est un support pour faire des sauts. Alors, qui m'a offert ça? Je ne me rappelle plus.
me rappelle plus du tout. Mais alors, par contre, c'est pour faire des sauts de cire. Hein. Je mets ma cire là, pouf, je mets mon machin, et puis je peux faire des sauts de cire dessus. Hein. C'est fait exprès, ça, c'est du silicone. Hein. Et alors, je voulais vous faire une démonstration, un de ces quatre, enfin, une démonstration. Bon, tout le monde, enfin, c'est parce que là, ils sont parfaitement faits. Ils sont très très bien faits. Regardez-moi ça. Hein. Je vais mettre à plat. Alors, vous voyez, ils sont super bien faits. Ils sont sublimes, sublimes, sublimes. Ils sont bien ronds, tout ça, nanana. Ouais. Alors, vous avez vu ce qui se vend? Ouais, je suis sûre que celles qui aiment faire des sauts de cire comme ça, elles vont sur Tonton Ali. Et vous avez vu, ils font des jolis supports métalliques. C'est 2 euros, je crois, le support. C'est un petit. Alors, il y a des formes de cœur, des formes de rond, des formes de marguerite, des formes de ce qu'on veut. Et alors, c'est un petit support métallique comme ça, donc dans la forme que l'on veut. On le pose, hein, même le silicone, hein, c'est mieux, silicone ou une feuille. Silicone ou une feuille alimentaire ou quelque chose qui colle pas quoi, que la cire elle puisse se retirer sans que ça se casse. Et alors vous mettez votre cire dans ce petit support et ça prend la forme et tout. Hop, et puis comme ça ne déborde pas. Vous êtes sûr qu'il y a de la cire plein, ça sera bien, la forme elle sera bien jolie et que ça ne débordera pas et que votre, vous avez compris. Vous avez compris. Si vous dites que vous avez compris, ça me fera plaisir. Et je pense que je vais faire une petite commande chez AliExpress pour m'acheter ça. Moi, j'ai envie de m'acheter ça, j'ai le droit. Pour que mes sauts ils soient parfaits. J'aime bien. Quand je fais mes junk ou tout ça, ou des albums à la fin, quand on signe ou machin, j'aime bien faire ça, moi, sur mes. Pas sur les cartes, je ne fais jamais ça sur les cartes, mais sur les albums et sur les junk, j'aime bien mettre un sceau de cire à la fin. Ou même des fois en milieu, sur des pages, voilà, pour. J'adore ça, c'est très beau. Et ils vendent des cires magnifiques, magnifiques, des pailletés, des galaxies. Ils ont des cires magnifiques, hein, magnifiques, magnifiques, magnifiques. Hein. Ils sont vraiment très bien faits, c'est très très beau. Et puis donc, comme ça, je pourrais mettre ça sur des embellissements. Alors, vous avez vu, le sceau a sorti la petite fleur qu'elle a fait à chaque fois. Hein, c'est vraiment très très joli. Hein. Donc voilà, le sceau a sorti à la petite fleur et tout, c'est vraiment super joli. Alors la petite pochette là qu'elle a fait avec les élastiques et tout, bravo, bravo, c'est trop bien fait, c'est beau, c'est charmant, c'est super bien fait, voilà. Très très beau travail, ma Aurore. J'ai envie de l'appeler Marguerite, je sais pas pourquoi. C'est ça. Oh, elle m'a fait une jolie trousse. Non, mais elle est folle. Ça, c'est elle qui a cousu, hein. Je suis sûre qu'elle fait de la couture, hein. Oh, j'adore, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. Vous avez vu? Ah non, vous n'avez pas vu. Regardez, regardez, regardez. Si, hein, je suis assortie à ma trousse. Hein. Je suis assortie à ma. Ah si, hein, c'était fait exprès. Hein, j'avais tout calculé. J'adore. C'est trop beau, elle est trop belle. Hein. Mais c'est vachement bien. Vous êtes douée en tout. Hein. Ouais, vous êtes comme moi, quoi. C'est ça. N'importe quoi. Hein. C'est trop beau, je suis trop contente. C'est trop merci, trop merci. Oh là, trop de la chance. Et là, elle m'a fait un tag shaker, c'est pareil, elle l'a fait elle-même, bien sûr. Hein. Elle a une fuse, t'as une fuse peut-être, hein, une fuse pour souder le plastique. Hein, voilà, hein. Donc, elle a fusé sa pochette, elle a fait un petit marque-page comme ça, shaker. J'adore aussi, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, ces senteurs qui me reconnectent à la nature avec des jolies fleurs de. C'est quoi comme fleur? Attends, je suis obligée de virer les sequins pour voir les fleurs. Ah, bah si, hein. Je sais pas ce que c'est comme fleur, mais c'est très joli en tout cas. Ah, c'est la collection là, de chez Action. Là. Elle était belle cette collection-là, elle était magnifique, magnifique. Dans les tons verts, très très. C'était très joli, c'était très très belle collection. Je pense que c'est ce papier-là. Je pense. Très très joli. Il était vintage, un peu vintage et tout. Et regardez-moi ça, si c'était tout mignon, son petit brin de muguet là. Oh, c'est trop joli, hein. Et donc elle a opté pour faire les découpes dans un papier à chaque fois différent. Vous voyez? J'aime bien moi quand on colorise comme moi pas très bien. Eh bien moi j'adore faire les découpes. Alors c'est ça qui prend du temps. Découper chaque partie dans la couleur que l'on veut et c'est très 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 joli hein. Il est très beau ton tag hein. Avec les papillons et tout ça, les bords, elle a ancré les bords en vert et tout, c'est trop 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 joli, la petite dentelle là pour finir, le petit c'est très joli, j'aime bien parce que il y a le rire, hein, il y a le rire, il y a le mot rire dans ton petit papier, il y a aussi le mot armagnac.
Il y a aussi le verbe tomber, hein. Tomber, tomber la chemise, tomber là, tomber, tomber la chemise, tomber là, tomber. Vous avez compris quoi. Alors, donc je te remercie. Attends, je vais remettre tout ça dans la pochette pour l'instant. Voilà. Je croule encore sous les cadeaux, c'est un truc de fou. Vous êtes complètement. Vous êtes folle. Ah, c'est Christine ça. Si, c'est Christine. On reconnaît sa marque là, le cœur avec ses tags volants. À n'ouvrir que le 1er mai. Donc, j'exécute, j'exécute. Oh là là. On est à combien de temps là? Bah, ça va durer un petit peu longtemps cette vidéo. Bon, je sais pas. Oh, il y en a. Il n'y a pas grand chose. Mais non, il n'y a pas grand chose. Presque rien. Non, il n'y a presque rien. Oh là, tout ce qu'elle a mis aussi. Donc, oh, c'est beau ce que tu as fait là. Elle m'a fait des fonds de papier très vintage comme ça, avec des tamponnages de papillons en vintage photo. Enfin, je veux vintage photo, j'en sais rien, mais ça ressemble à vintage photo. Mais en tout cas, c'est très joli hein, pour un junk. Hein. Oh là là, c'est très beau. Ah là là, c'est très joli. C'est très très beau. Quel travail. Les vieilles pages comme ça fait joli, hein, tout tamponné comme ça. J'espère que vous voyez bien hein, ce que je fais pas, ce que je fais pas, ce que vous faites vous. Alors, Christine, c'est le HHH55. Alors, elle m'a fait un petit paperclip altéré, hein, un petit trombone altéré. Hein. Enfin, un trombone, une trombone, on s'en fout, dites ce que vous voulez. Hein. Mais on dit un trombone. Mais un trombone, c'est l'instrument de musique aussi. Alors, et donc, voilà. Et voilà, voilà. Et là, elle m'a fait. C'est trop mignon, sa petite pochette, là. Elle a fait une pochette. Regardez le papillon. Pouf, il sert de. Pouf, pouf. Pouf, pouf, pif, paf, paf la poule. Pouf et paf la poule. Hein. Il faut que je tire ou pas là, je vois un ruban. Ah si. Ouais, c'est pas un ABC ça? Ah non, j'ai cru que c'était un ABC, dis donc. Si? ABC ça, ABC. Alors, c'est très joli, c'est frais, c'est beau, hein, c'est chabi. Hein. C'est très joli. Elle a fait le petit tamponnage de la voiture avec. C'est très joli. Elle a fait un petit tag chabi, quoi. Avec un petit ruban organza et tout ça, tout ça. C'est très mignon, la petite plume, les petits. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Des stickers. Des stickers. Les petits stickers assortis, là, à son petit tag, à son papier collection, là, c'est très joli. Très, très joli. Et donc, j'aime bien la pochette, là, avec le principe du papillon qui... Bascule avec moi, bascule. Elle a mis du glossy accent sur sa petite... elle a fait une enamel dots en forme d'étoile et elle a mis du glossy accent dessus pour le mettre en valeur. Hein. Moi, j'aime bien faire ça quand on a des chutes... Préparer des bandes comme ça d'enamel dots qui sont assorties à votre création. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les bonnes couleurs de strass, les bonnes. Ben, c'est vraiment super, j'adore faire ça. Voilà. Mais ça, j'ai dû vous le partager, le truc. Je pense que je vous ai partagé ça, le fait de faire ces enamel dots pour assortir à sa création. Allez, allez. Bascule avec moi, bascule. Si tu as chaud en toi, c'est l'amour qui te brûle. Si tu as chaud comme ça, bascule avec moi. Tu. Ouais, vous avez compris quoi. Donc, elle m'a fait des tamponnages de papillons comme ceci, comme cela. Hein. Ils sont beaux, des petits tampons de papillons. Tout mignon, mignon. Hein. Sa vie révolte, sa vie révolte. Et ça, oh là là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ah ben là, elle a fait pas le papillon mais le cœur. C'est rigolo. Enfin, je suppose. Ah là là. Ah oui, elle a mis le paperclip là. Elle a fait le petit paperclip comme ça. Alors, il y avait le papillon, il y avait le cœur. C'est trop mignon. Hein. C'est bien pensé, c'est réfléchi. Chaque fois, c'est pareil. Et voilà, c'est trop charmant. Et donc, le petit, pareil, hein, le petit trombone altéré là. Le cœur qui sert de fermeture. C'est très vintage, c'est très joli. Et qu'est-ce qu'elle a mis là-dedans? Oh là là, j'ai peur. C'est très beau, hein. Très beau. C'est bien fait, c'est beau. Là. Parce que c'est pareil, le junk, c'est joli c'est joli quand c'est bien fait, hein. Parce que sinon, ça peut être moche aussi, hein. Ah bah si, ça peut être moche, hein, il faut dire ce qu'il y a. Mais bon, après, ce qui est l'avantage du junk ou du, c'est qu'on peut toujours toujours sauver le. Toujours. Ben, comme dans n'importe quoi d'ailleurs. Je dis toujours, c'est vrai, je répète encore, toujours la même chose. Je radote, hein, comme une vieille. Encore, les vieilles, il y a des vieilles qui radotent pas, mais moi je radote. Hein, eh bien,
Jamais rien de raté en scrap, c'est vrai. Parce que tout peut se changer, se modifier, s'améliorer. Regardez, elle m'a ancré du napperon là, hein, avec des ancres tamponnées et tout ça. Quel boulot! Parce que c'est du boulot de faire tout ça. Ah, oh, bah c'est sympa ça, tiens. Elle a collé des pareils, des feuilles de papier comme ça, sur des pages de livres qu'elle a déchirées et qu'elle a, voilà, collées comme ça pour faire un fond. C'est super original, hein. Et ça, vous voyez, je peux les mettre en page de junk, hein. Ça fait, voilà, je les mets comme ça. Vous voyez, j'aurais tendance à cacher le blanc, moi, par exemple. Vous voyez, je les mets comme ça. C'est fort possible que je l'utilise comme ça, vous voyez. Je ferme là. Hop. Voilà. Et là, ça sera mon centre de page. Vous voyez, là, je le recolle. C'est rien, ça. C'est rien du tout, parce que c'est le centre. Et là, je peux faire un centre de page juste comme ça, aussi court que ça. Puis mettre des petites images ou, voilà, ce qu'on veut, quoi. C'est vachement bien. Voilà. C'est très, très sympa comme idée. C'est très, très sympa. Parce que ces grands napperons-là, dans une page, il faut forcément les rétrécir, quoi. Enfin, les réduire, quoi, pour pouvoir les intégrer sans gâcher. C'est joli comme ça, hein. C'est très beau, hein. Vous avez compris, quoi. C'est juste pour vous dire ce que je fais avec vos choses, hein, parce que je peux pas vous montrer tout, hein. Enfin, déjà, j'ai pas assez de temps, et puis pour vous dire comment j'utilise et à quoi je pense, comment l'utiliser, quoi. Et alors là, elle m'a fait une carte, j'imagine. J'imagine. Elle imagine. Elle imagine. Nanina. Elle imagine. Je ne vais pas le remettre tout de suite parce que je ne sais pas ranger. Je ne sais pas ranger aussi bien que toi. Oh, mais j'ai loupé ça, moi. C'était quoi ça? C'est des petits timbres. Elle m'a préparé des petits timbres. Ah, c'est des petits timbres. Alors. Je regarde juste, hop, elle a fermé une toute petite ficelle, toute mignonne, et là, elle m'a fait une série de timbres, c'est très joli, j'adore ça, j'adore aussi. Ah, mais c'est autocollant et tout en plus, ah, mais elle nous a fait autocollant et tout, c'est génial, regardez comme c'est joli, j'adore ça, moi, j'adore, hein. Ça c'est bien aussi, hein. Pour utiliser ces tout petits stickers qu'on ne sait pas quoi faire, là, vos stickers, vos planches de stickers de chez Action, là. Moi, je trouve ça super sympa de faire ça, super sympa. Ils sont tous autocollants, j'ai plus qu'à. Il n'y a plus qu'à les poser. Super. J'ai failli louper ça. Enfin, louper, non, parce que moi je vois toujours après, même si je loupais quelque chose, je le verrai après, mais c'est pas une raison, je voulais vous montrer. Et là, donc, joli bonheur. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs dans le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, ramassez-moi chez vous, emmenez-moi. J'ai pris le petit bonheur. Non, je chante pas, ça va me faire pleurer. Donc voilà, hop. Et donc là, c'est joli comme tout, c'est frais, c'est trop mignon. Avec les papillons, les fleurs, c'est le printemps, quoi. Et c'est le printemps. Bonjour, bonjour les hirondelles, c'est le printemps. Elle m'a mis un petit timbre, je t'enverrai. Je t'enverrai quelque chose, je t'enverrai un petit quelque chose. Il y a marqué. Oh, c'est un petit ATC assorti. C'est mignon. Oh, j'adore. Regardez-moi ça si c'était pas mignon. C'est trop adorable, hein. Si, c'est trop adorable. Elle a utilisé les petites fleurs en bois, là. Ah, c'est bien, elles sont toutes petites. C'est bien, hein. Ouais, c'est bien. Elle a mis les petits papillons sequins en 3D aussi. Très très bonne idée de les mettre en 3D les sequins là. Ah, c'est une bonne idée ça. Hein. C'est très très bonne idée hein, de mettre les sequins comme ça en 3D. J'adore. Mais oui. Hein. Ça rend super bien. Ça rend super bien. Elle avait fait ça aussi sur la carte, mais oui. J'adore. Sur le petit ATC là, parce que les petits ATC. J'aime bien moi les petits ATC. Oh là, j'en ai une collection d'enfer. J'en suis à trois classeurs. Mes trois classeurs blindés. Hein. Alors, je vais lire mon petit mot. Hein. Enfin, mon roman d'amitié. Hein. C'est un roman d'amitié. Je vais être obligée de faire deux vidéos, ça continue. Si, je vais être obligée de faire deux vidéos. Alors, c'est ça. Alors. Mais c'est vachement bien fait, les herbes. Hein. C'est vachement bien fait au ciseau. Hein. Elle a fait ça au ciseau, hein, mais ça rend super bien. Hein. Elle fait ça aussi, Catherine G, là.
Il me semble qu'elle fait comme ça, je suis quasiment sûre. L'herbe comme ça, sur ses créations, c'est elle qui les fait elle-même. Et ben moi, je trouve que c'est presque mieux que les dailles des fois. Bon, ce dail-là, je l'adore. Il y a des dailles de herbe, il y a des dailles de herbe qui sont moins bien que ce que vous faites comme ça. Ouais. Non, c'est très bien, hein, franchement. Hein. Et Catherine, elle fait ça aussi. J'ai remarqué qu'elle faisait ça et que j'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est très réussi, voilà. J'ai rien en herbe. C'est ça, j'ai rien. Ouais, j'ai vu les enveloppes à partager. Ça se peut, hein, parce qu'elle m'a dit que j'ai le droit de partager. Hein. Alors, je partage quand c'est comme ça. Avec une feuille coin-coin. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Petit paperclip pas sorti. Pour bien fermer l'enveloppe. Ah, j'ai tout compris, t'as vu? Si. Oui, c'est ça. Je sais pas si sa poule, c'est, ça y est, c'est la poule paf, on va l'appeler paf sa poule. Ah si, hein. Et poule paf. Hein. Et paf la poule. Elle a fini en crêpe. Mais là, elle m'a fait un petit smiley. Je sais pas si c'est un petit smiley qui pleure de chagrin ou qui pleure de rire. Je suis sûre que c'est du pleur du rire. Si, c'est un pleur de rire, ça, tu parles. Et paf la poule. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai rigolé, moi j'en pouvais plus, hein, paf la poule. Non, c'est parce que quand on imagine la scène de la porte qui tombe comme dans les dessins animés, paf, et qu'éclate la poule, on peut que s'imaginer la scène et être mort de rire. Hein. Même si, moi j'adore tous les animaux de la nature. Et j'ai eu beaucoup de chagrin. Un jour j'ai perdu. Si, non mais, si j'ai fait ça. Hein, parce que. J'avais des petits poissons rouges. Alors j'en avais un poisson rouge et un pochiche douce chez moi. J'avais un petit poisson rouge et un petit poisson jaune. Alors bon, enfin bon, j'avais deux poissons dans un bocal. Et alors, il y en a un qui est mort. Hein. Bon, les deux sont morts après, mais bon, le premier qui est mort, j'ai eu un des plus gros chagrins de ma vie. C'est vrai. J'en ai pleuré tout bastringue, le poisson aussi, le petit poisson et tout ça. Eh ben, je l'ai enterré tout bastringue, hein, dans une boîte d'allumettes avec du coton tout bastringue. Je l'ai enterré. Si, je l'ai enterré. Ah si, j'ai fait ça. De toute façon, moi, je fais toujours ça. Hein. Quand ma petite poupouille, elle est morte, vous savez, ma petite poupouille, c'est mon petit hamster russe. Elle était russe. Et alors, elle était adorable aussi. Elle m'écoutait comme un petit chien, comme un petit chat. Enfin bref. Et alors, elle est morte à cause de moi parce que je l'ai tétanisée. À cause de, j'ai voulu faire connaissance avec Joy, tout ça. Enfin bref, enfin, je vous l'ai déjà raconté ça. Et ben c'est pareil quand elle est morte. Moi j'enterre mes animaux. Hein. Il n'y a que Joy, pas tout de suite. Joy, lui, je l'incinérerai et je garderai ses cendres ou je les mettrai quand je vais réfléchir. Mais sinon j'enterre toujours mes animaux, que ce soit un poisson, que ce soit un hamster, que ce soit j'enterre mes animaux. Hein. Et dans une belle boîte et tout ça. Ah si, voilà. Voilà, je sais, je sais. Donc la poule, paf, elle a fini en crêpe, et donc voilà. Voilà. Mais ouais, moi je suis un peu un petit poisson, quoi. Ouais, j'ai mis du mal, je suis con, j'ai du mal à me remettre de perdre mes animaux, peu importe l'animal que c'est. C'est pas ma faute, hein. Non, mais c'est vrai que c'est drôle comme histoire, hein. C'est triste, mais c'est drôle à la fois, hein. Oui, heureusement que t'avais pas tes chicoufs, hein, parce que justement, ils auraient été chagrins, hein, ils auraient été chagrins. Et paf la poule. Ouais, c'est vrai. C'est très triste. C'est très triste, très triste. Mais heureusement que c'est vrai que les enfants, ils étaient pas là parce qu'ils auraient fait. Ben, ils auraient été tristes et tout ça. Hein. Là, quand ils n'ont rien vu, on peut les baratiner, hein, leur dire que la poule, elle est partie, elle s'est envolée, elle a trouvé un chéri, je sais pas, moi, n'importe quoi. Hein. Elle est partie faire sa vie. C'est pas n'importe quoi. Hein. Vous savez, les poules, hein, il y a des poules, il y a des poules de toutes sortes. Hein. N'empêche que c'est vrai, en plus, il y a des jolies poules. Hein. Bon, il y a des belles poules d'ornement, des poules de luxe. C'est, les poules de luxe. Hein.
les comment ça s'appelle là, j'aime bien là, les nègres soies, tout ça, c'est très joli, hein. Par contre, les coups nus, j'aime pas trop, moi. Je trouve ça un peu moche, les coups nus. Mais pareil que c'est des bonnes pondeuses, hein. Et alors, il y a les coups nus, il y a les, il y en a plein. De toute façon, il y a plein de sortes de poules. J'ai un livre sur les poules, moi, tellement j'aime bien les poules. D'ailleurs, est-ce qu'il est là? Et je vous assure, hein, moi j'adore les poules, mais vraiment, en plus, c'est vrai. Est-ce que j'ai mon livre là? Je vais bien me montrer comme c'est vrai. Hein. Est-ce qu'il est là, mon livre? Il n'est pas là, mon livre, sur les poules. Pas normal. J'adore les poules. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon livre, mais j'ai un livre sur les poules. Si, j'ai un livre sur les poules, j'adore les poules, moi. Donc, voilà. Vous avez compris quoi. Combien de temps on est? On est à 1 heure. Moi, je m'en fous, je continue. Allez, donc là, on en est où? Si. Alors, on en est où? On en est à Marilyn. Marilyn. Tout à l'heure, c'était Marilyn. Maintenant, c'est Marilyn. Marilyn, elle aime John. Non, elle aime qui elle veut. Hein. Alors, Marilyn. Hop là. Attendez, bougez pas. Enfin, si, bougez, faites ce que vous voulez. Hein. Allez vous dégourdir les jambes. Il fait beau. Hein. D'un seul coup, il fait beau là. Si? Et là, vous savez, j'aime bien parce que là, moi, je vois le ciel d'où je suis sous le Velux. Je vois le ciel, je vois les nuages. Et souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, je regarde dans l'air. Ça, en fait, je regarde les nuages. Je regarde ce que je vois dans, je regarde ce que je vois dans le ciel. Je regarde s'il y a des choses dans le ciel. Si? Alors là, elle m'a fait une petite laoudide, hein, avec un petit béliban de tout mignon mignon, hein, Marinaine. Marilyn. Oh, je ne sais plus, je ne sais plus. C'est Marilyn. Et donc, hop là. Oh non. Oh, c'est joli le petit panier. Oh, mais c'est trop fort, hein. Mais c'est trop mignon, trop mignon, trop mignon. Ah, attendez, attendez, je sors tout. C'est pour en fait mettre bien, bien en valeur son petit panier de. Regardez comme c'est joli. Alors, elle a pris de matière de je sais pas quoi, hein. Et elle a fabriqué un. Oh, Angélique! Elle a découpé un panier pour y mettre un bouquet de fleurs. Ah, moi, j'en ai un panier. J'adore les paniers. Voici. J'ai un panier marguerite, évidemment. Ça ne pouvait pas être un autre panier que le panier marguerite. Parce que les paniers ont un nom suivant la forme qu'ils ont. Alors, vous pouvez. Donc, je vous dis que j'ai un panier marguerite pour quand je vais aux champignons. Ou à autre chose. Aux châtaignes, je ne sais pas quoi. Dès que je vais dans la forêt, j'emmène mon petit panier marguerite. C'est vrai. Si, j'ai un panier marguerite. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un panier, je ne sais pas quel nom, hein. C'est un panier comme ça. Mon panier marguerite, eh bien, vous regarderez sur Internet comment c'est. Il est très beau, il est très beau mon panier. Il est magnifique, magnifique, magnifique. J'adore les paniers. Ben si, j'adore, j'adore. Hein. Donc voilà, j'ai le droit d'adorer. C'est ça. C'est une trop belle idée. Hein. C'est très, 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 très bonne idée. On adore, on adore, on adore ton petit panier, Marilyn. Et là, c'est trop bien, hein? Si, c'est trop bien. Tout ce qu'il y a là-dedans. Si, il y a plein de trucs. Il y a plein de pochettes. Be happy, hein? Don't worry, be happy. Hein? Elle m'a fait un petit tag comme ceci. Hein? Hop là, c'est quoi? Un petit mot? Je vais dire mon petit mot. Après, ouais, je finis par la fin. Je commence par la fin. J'ai le droit, hein? Je finis par la fin. Vous avez entendu? Mon ASNI, on a découvert. On a partagé. J'ai plus d'inspiration. Comment ça, t'as plus d'inspiration? Ça va pas du tout, ça. Hein? J'attends les petits grirés. C'est ça. Moi, je fais beaucoup de partage. Hein? Bah, vous, bah si, parce que si. Bah, de toute façon, moi, j'ai pas le temps j'ai pas le temps de fabriquer pour tout fabriquer. J'ai pas le temps de scraper pour. Bah non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je suis au taquet. C'était tout mignon, hein. Hop là, petite pochette assortie. Et je vais lire mon petit mot. Alors avec, hop là, donc elle m'a mis des petits timbres comme ça, je peux répondre, j'aime bien. Voilà, c'est super. Donc je mets ça là-dedans comme ça. Je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Tu sais que c'est moi. Je sais que c'est toi. Tu sais que c'est moi. C'est ça. On sait que c'est nous. Alors. Oui, ben là, ben franchement, j'y pensais encore hier. Quel bonheur de plus avoir mal au ventre du matin au soir. Franchement, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur de ne plus avoir mal au ventre. C'est un vrai bonheur. Hein. Oh, mais par contre, oui, c'est vrai que ça a été un peu long. Hein. C'est long, hein, comment, la convalescence. C'est un peu long à hein, se remettre. Hein. Mais ça y est, on peut dire que c'est fini. Hein. Ouais. Maintenant, j'ai quatre cicatrices et puis voilà, ça y est, on n'en parle plus. Hein. Bah, c'est formidable, hein. Ah oui, Nathalie Ferry.
Ouais, elle est gentille aussi, Nathalie. Mais de toute façon, il n'y a que des personnes charmantes, hein. C'est vrai. C'est vrai. Fou, mais elles sont toutes sympathiques. Toutes, toutes, toutes. Hein. Ouais. Ah oui, ah oui, ah oui. Bah oui. Ah. Je sais pas, parce que je les connais pas par cœur tous les HHH. Ouais, elle dit que vous êtes un groupe formidable, que toutes les c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que toutes elle n'est pas sur les réseaux sociaux et qu'elle a rencontré des personnes formidables, hein, et que voilà, il n'y a pas besoin d'être sur les scrappeurs du cœur pour pouvoir échanger avec les scrappeurs du cœur ou les personnes qui tout le monde peut échanger avec tout le monde. Il suffit juste de mettre des messages sur YouTube et puis de après un mail, vous donnez votre adresse email si vous voulez pas donner plus, hein. Il faut toujours se méfier. Ben, moi je suis toujours voilà, il faut toujours se méfier. Je suis toujours voilà, il faut se méfier quoi. Je peux pas dire mieux. Il faut se méfier. Donc prenez contact déjà par adresse mail. Puis après vous voyez ce qui se passe. Nanani, nanana. Ouais, à nos âges, on n'est plus. Mais on se fait encore avoir. Hein, oula. On se fait encore avoir, mais en tout cas, ça permet de faire des échanges avec des personnes qui ne sont pas, même si vous n'êtes pas des scrappeurs du cœur. Hein. Scrappeurs du cœur, c'est parce qu'on a créé ça, parce qu'on a créé ça, parce que c'est comme ça, hein, mais voilà quoi. Et c'est un groupe, voilà. Donc, une jolie dentelle, toute mignonne, toute mignonne. Toute mignonne, toute mignonne. Vous avez compris quoi. Et là, c'est un ATC, ça, non? On m'a fait un ATC Marguerite, non? Oh, ATC! Retour du printemps, un petit bout de ma prairie, mais synthétique. Oh, c'était tout mignon! Artificiel, c'est plus pratique d'entretien, ça, c'est sûr, je te l'accorde. C'est vrai. J'adore quand les gazons. Enfin, les gazons, non, justement, si c'était du vrai gazon, il n'y aurait pas de marguerite, il n'y aurait pas de pâquerette comme ça dessus. Hein. C'est de l'herbe, quoi. Et alors quand l'herbe elle est pas encore tendue et que le printemps arrive et que c'est blanc de pâquerettes, c'est trop beau, hein. C'est trop beau. J'avais fait des photos de mon Joy dans les terrains comme ça de pâquerettes, c'est trop beau. Et l'autre jour je l'ai pris devant chez le, je vous raconte ma vie, ouais. L'autre jour quand on est allé chez le, ça vous intéresse pas, tant pis, je m'en fiche, je vais le dire quand même. Je parle toute seule comme. C'est ça. L'autre jour quand je l'ai emmené chez le vétérinaire. Eh bien, eux, devant leur cabinet, en fait, c'est pas des pâquerettes, c'est des petites fleurs mauves, des toutes petites fleurs mauves. Mais alors, c'était un tapis de fleurs mauves. J'ai pris mon Joy dedans, il est beau. Alors, il a mis les fleurs en valeur. Trop beau, trop magnifique, trop magnifique. J'adore le prendre dans les champs de fleurs. Ben, comme on fait pour les enfants, en fait, moi, je le fais pour mon chien. Dès qu'il y a des fleurs, un champ de fleurs, paf, je le mets dedans. Si je le mets dedans, je le prends en photo. Les tournesols, tout y passe. Tout y passe. Dès qu'il y a un terrain plein de fleurs, je le prends. Si, je fais ça, et puis c'est tout. Et je le pose, il est mignon. Hein. De toute façon, il sait qu'il bouge pas. Il sait qu'il doit pas bouger, que je fais la photo. Il est trop mignon, il bouge pas. Si, de toute façon, j'ai un chien et un chat en or, moi. C'est des animaux, je peux faire n'importe quoi. Je leur fais n'importe quoi, mais que des gentillesses, que de l'amour, toujours. Et donc un joli tac comme ça, plastifié avec, ben toujours pareil, du muguet, puisque c'est le jour du muguet, le papillon, tout ça, c'est trop mignon. Hein. J'adore, j'ai un petit coup de cœur pour ton petit panier là. J'adore, j'adore, je trouve que c'est une trop chouette idée. C'est formidable ce que tu as fait, j'adore, j'adore, j'adore. Et je garderai la carte et je partagerai le reste pour que les... Enfin, sauf... Non, je partage rien en fait. En fait, je garde tout, puis c'est tout. Non, mais dites donc, j'ai le droit. Hein, pour se faire. Pour se faire. Oh là là. Enfin bref, vous avez compris quoi. On est à combien de temps là? 1 h 15. Oh là, il y en a encore beaucoup, hein, je vous dis pas. Je vais peut-être faire une deuxième... Je vais faire une deuxième...
Je vais faire une deuxième vidéo, je m'arrêtais à là. Je m'arrêtais à là. Maintenant, parce que j'ai toujours peur que mon. Bon, sur cela dit, oh non, ouais, je continue, oh non. Ouais, je ne sais jamais ce que je veux faire, moi. Non, un coup je continue, un coup je m'arrête. Ça, c'est Claudette, hein, c'est Tata Clo. Alors, Tata Clo, Tata Clo. Tata Clo, Tata Clo, Tata Clo, Tata Clo, Clo, Clo. Tata Clo, 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 Tata Clo, 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 Tata, Tata, Tata Clo, Clo. Si, c'est Tata Clo, Tata Clo, Tata Clo, Tata Clo, 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 Tata, 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 Tata Clo, Clo, Tata, Tata, Tata Clo, Clo. Ouais, vous avez compris, elle est folle, Angie. C'est le HHH 47, Tata Clo. Hein. Oh, j'aime bien cette image. Vous me l'avez envoyée enfin, vous me l'avez envoyée. Non, pas spécialement à moi, à tout le monde. Le petit chat comme ça, le petit roubouille avec son brin de muguet, je l'ai vu passer sur le Facebook. Je l'ai vu passer. Je l'adore, il est trop mignon, mignon. Muguet porte-bonheur pour toi. C'est mignon! Elle a, donc à mamie, les petites choses que tu fais si bien font une grande différence dans la vie des autres. C'est très joli pensée, hein? Ça, un petit happy birthday, c'est quoi? Je vais regarder après, je vais déjà lire mon petit mot. Hein. Alors. Ouais, c'est Roubouille. Hein. Bah, tout de suite, j'ai vu que c'était ma petite Roubouille d'amour. Mais quand il était petit, il était vraiment comme ça. Hein. Vous voyez, il était comme ça. Hein. Il est toujours comme ça, d'ailleurs. Il est toujours comme ça, d'ailleurs. C'est quoi ça? Elle m'a fait une petite pochette plastifiée comme ça. C'est bien fait, hein? C'est bien fait. Titati, c'est des ATC ça. Un petit ATC clown. Enfin, elle l'a appelé cirque. C'est le 15 sur 17. Et celui-ci, c'est le petit ATC juste pour toi, le petit muguet, porte-bonheur, comme ceci. Et c'est le 1 sur 1. Là, il n'y en a qu'un. Donc, je te remercie du fond du cœur. Voilà. Je remets ça dans cette petite pochette qui est très bien faite. Plastifiée comme ça, tout ça, c'est super bien fait. Tilala, tilani. Pourquoi je ne l'ai pas remis dans son enveloppe, ça, moi? Je ne suis pas très bien organisée. Hein. Non, je ne suis pas bien organisée. Là, c'est Soledad. À n'ouvrir que le premier. Ben, c'est pareil. Moi, j'obéis, j'obéis, j'obéis. En fait, je veux même parce que, pas que. Voilà. Alors, donc. Ah, ben, j'avais même pas vu qu'il y avait des timbres. Ok, je te remercie. Oh, c'est joli ce que tu as fait. Oh, c'est trop joli. Hein. C'est pareil. Hein. Il n'y a pas un brin de muguet pareil, non? Hein. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Oh, c'était tout mignon. Alors, regardez la base de cartes. Hein? Alors, elle a pris une base de, bah, je sais pas, un papier déco, peut-être, je sais pas. Mais il y a plusieurs matages de différentes couleurs qui sont très bien assorties à son papier vélum. C'est un papier vélum, là. Il est sublime avec les couleurs orange, verte et tout ça. Ça va trop bien. Le mariage est très réussi. Et alors, le muguet, elle a colorisé, vous voyez, elle a fait des découpes. Alors, je ne vous dis pas la finesse, voilà. Et donc, la finesse du brin, là, ou là. Et alors, des petits cœurs, le papillon. Et titi, tout mignon! Voilà, c'est vachement bien, hein? Vachement bien. J'aime bien ce que tu as fait avec le vélum et tout ça, là. Je vais dire mon petit mot. Ça, c'est sa signature, le petit bonhomme comme ça, avec la fleur dans la. Tu sais? Ça fait 6 mois, non mais. Ah mince. Ben c'est bien, bah ben oui, c'est bien. Ouais, elle a 2 enfants et tout ça. C'est bien d'avoir des enfants quand même. Quand même. On est moins seul sûrement. Quand on est malade ou des choses comme ça, c'est bien d'avoir une famille quand même, du soutien quoi. Et elle m'a fait des jolies petites. Ça fait 6 mois qu'elle me suit. Alors je sais pas du coup si ça fait 6 mois que tu scrapes. Hein. En tout cas, c'est très joli ce que tu fais, très très joli. J'aime bien la pochette pareille qu'elle a fait en vélum. C'est très bien, c'est très très bien fait, hein. Très très bien fait. Hein. C'est propre, franchement, il n'y a rien à dire. Enfin, je veux dire, c'est. Voilà. Je sais pas si tu débutes seulement et tout ça, mais franchement. Tu peux être fier de toi. Si c'est le cas, tu peux être fier de toi. Ah, ça, c'est qui? C'est Muriel, ça. Muriel E. Parce que des Muriel, il y a aussi Muriel V. Et là, c'est Muriel E. Hein. Hop là.
Alors, mes dessins, tu dis que c'est beau. Ça me fera plaisir. C'est ça, c'est vrai qu'elle dessine tellement bien Muriel. Si, Mumu, pour les intimes. C'est très beau, hein. Oui, c'est très beau. Et alors la couleur rose fluo comme ça, j'adore moi. Si, je suis très fan. Et là, elle m'a mis un petit paperclip pour fermer sa petite carte. Alors, elle m'a fait une petite carte base craft avec un joli papier déco dessus, très japonisant, je trouve. C'est très japonisant, ces petites fleurs roses et tout là. Ça fait cerisier japonais, j'aime bien. Et alors, les petits cœurs roses, les fleurs roses, les marguerites. Et il y a quoi marqué? Je fais de l'extra dans l'ordinaire. Ah, c'est bien ça, je ne connaissais pas cette petite expression. Je fais de l'extra dans l'ordinaire. Et alors, c'est tout est bien assorti, tout mignon, mignon. C'est frais, c'est les petites pochettes. Hop là, tout mignon, mignon. Les petits tags, tout mignon, mignon. C'est éclaté à faire des mini choses, toutes mignonnes, avec des petits chats, des petits papillons, des petites marguerites, toutes mignonnes, des petits cœurs. C'est ancré les bords, il y a de la, il y a du ruban, c'est joli, hein, c'est bien fait, c'est très bien fait. Hop là, et là, elle m'a fait sûrement un ATC assorti, j'imagine. Oh, c'est joli ça aussi, petit sticker là, c'est un petit sticker. Et là, c'est un ATC avec mes trois symboles. Hop là, oui, c'est un ATC, il y a marqué fleur pour NG, c'est mignon. Les petits rubans comme ça dans l'angle, c'est sympa aussi, hein. C'est très sympa, très sympa. Et là, le petit tag assorti. Hop là, adorable, tout adorable. C'est frais. C'est frais, c'est frais, c'est frais. Hop là! Et donc, le petit paperclip pour fermer. C'est quoi comme bestiole? C'est une fourmi. Si. La fourmi veut pas donner son miam. Miam. La fourmi veut pas donner son miam. Miam. La nana est embêtante. Ni nani, c'est une vraie emmerdeuse. Si. La fourmi veut pas donner son miam. Miam. Ouais, vous avez compris quoi. Si, c'est la cigale et la fourmi par les inconnus. Vous connaissez, non? Ah, si. Si. Les insectes sont nos amis. Il faut les aimer aussi. C'est pas ma faute. À n'ouvrir que le 1er mai. Il n'y a pas de signature. Et c'est en rouge. Bip, bip, bip. Si j'ouvrais avant. Oh, c'est joli ça. Oh, c'est joli. Alors, ça, c'est. Elle a fait du craquelé, la peinture craquelée là. Et donc ça a craqué légèrement là comme ça, hein, sur la, voilà. Et alors, ça fait très très joli, hein, c'est très sympathique, hein. C'est très sympathique. Et le petit oiseau, un petit oiseau qui apporte le brin de muguet, hein, il est plus gros que lui, le brin de muguet, c'était tout mignon, hein, c'est trop adorable, hein. Avec le papillon, la marguerite, le muguet, c'est super joli, hein. Oh, j'aime bien, c'est trop beau. Je sais pas qui c'est encore. Non, je ne sais encore pas qui c'est, mais c'est très très joli. Hein. Les couleurs comme ça. Enfin, je trouve que ça, c'est bien. Enfin, franchement, c'est très joli. Alors, c'est qui? C'est qui? Oh, j'aime bien l'histoire de l'enveloppe comme ça. Jaune et noir. C'est beau, hein, jaune et noir. Hein. En jaune et noir. J'adore. Si, j'aime bien. J'adore le principe de la petite enveloppe à l'intérieur pour mettre le tag. Regardez-moi ça, le tag assorti à la carte, comme c'est joli tout plein. Oh, c'est trop beau, hein. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, c'est qui? C'est qui? Ah, c'est Sandrine. C'est Sandrine. Alors, des Sandrines, il y en a plein. Et là, c'est le HHH10, parce qu'on en a plein des Sandrines aussi. C'est très, très, très joli. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop là, oh, c'est très. Trop mignon, trop mignon, trop mignon. Et alors, je vais lire mon petit mot. Oui, c'est ensoleillé. Il a plu cette nuit. Oh la vache. C'est de la drouille. Non, 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 non. Alors là, franchement, alors, bah, oui, l'effet craquelé, voilà, il a pas réussi comme on aurait voulu, mais il a craquelé quand même un petit peu, hein. Et franchement, ça fait joli. C'est joli. C'est autre chose. C'est un effet craquelé qui a craquelé très peu. Mais ça fait quand même très très beau. Et non, c'est pas de la drouille. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est de la drouille. Carmackle, c'est de la merdouille. Tu fais des rimes. Tu es une poète. Hein. Si, tu es poète. Hein. C'est de la drouille. Et ma colle, c'est de la merdouille. Si. Ah oui, bah, elle l'a dit en plus. Si, parce que je l'ai en retard. Et ça rime en plus. On s'en fout.
Mais on s'en fout de faire de la drouille, nous on s'en fout pourvu qu'on rigole un coup. Tu dis que ça te plaît. Mais c'est vrai, ça me plaît en plus. Je trouve ça très joli, moi. Hein. C'est ça. Je te remercie. C'était très, très, très. C'est très joli. Ouais, je trouve c'est très sympa. En tout cas, c'est très beau. Voilà. Ensuite, j'ai envie, je dors, j'ai envie de dormir. Si je m'endors. Je m'endors. C'est qui ça? Alors ça, c'est Janine. Si, c'est Janine. Alors, cette Janine-là, j'ai toujours envie de chanter quelque chose. Si, si, là, si. Un Thibaut, deux Thibauts, trois Thibauts d'amour. Un Thibaut, deux Thibauts, trois Thibauts d'amour. Oh, un Thibaut, deux Thibauts, trois Thibauts. Un Thibaut, deux Thibauts, trois Thibauts d'amour. Oh, un Thibaut, deux Thibauts, trois Thibauts d'amour. Vous avez compris quoi. Tu sais, j'aime bien moi cette chanson-là, j'adore, j'ai le droit. Hein. Alors, hop là. Oh, c'est très beau, hein, le ruban, je vais récupérer bien sûr, j'ai le droit. Oh, c'était joli. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est beau. Oh, c'est joli. C'est trop beau. Elle m'a fait une fleur en crochet là. Oh, c'est joli. Regardez-moi ça, si c'est beau. Oh, c'est tout mignon. Le papillon en feutrine, là, le bouquet de fleurs. Hein. C'est trop joli. Hein. La petite fleur qu'elle a fait en crochet là, s'il vous plaît. Merci infiniment. La petite dentelle comme ceci à l'intérieur. Pour y mettre son petit ATC bouquet de marguerite. Comment elle a appelé ça? Elle a appelé ça les marguerites, bah, tout simplement. Parce que Marguerite m'aime, moi je navigue que pour elle. Marguerite est ma raison, mon lendemain, mon idéal. Marguerite qui est le vent, ne sait pas qu'elle peut me faire mal. Ah oui. Les anecdotes. C'est ça. Parce que je me dis toujours que mes anecdotes, il doit y en avoir que vous avez les mêmes que moi, quand même. Si, quand même. Ouais. Mais si, quand même. Ça n'arrive pas qu'à moi, des trucs, des machins, des bidules. Je suis quand même pas toute seule. Hein. Non, je ne suis pas seule. Il est 1h30. Il est 1h30 de vidéo. Si, il est déjà 1h30. Hein. On va se quitter. Hein. On va se quitter. Non, non, on va pas se quitter. Hein. J'en ai encore beaucoup des lettres. Hein. Tant pis, je continue. Hein. Je continue. Ça, c'est Dolo. Dolo. Juste un peu d'eau. Non, c'est Dolores. Hop là. Et alors. Oh, c'est beau. Elles sont plus belles les unes que les autres, les cartes. Hein. Oh là là, c'est trop joli. Elle m'a fait un petit pour regarder la petite base de vert pâle, comme ceci. Avec la découpe de timbre, embossée à froid, ancrée l'embossage qui ressort. Le petit pot de muguet, tout mignon, mignon. Enfin, tout y est. Tout y est, tout y est. C'est trop, trop mignon, trop mignon. Oh là là, avec. J'ai le hoquet, là j'ai le hoquet. Avec tous ces petits tags, tout mignon. Des petites pochettes comme ça, avec des bordures qu'elle a fait. Voilà, des petits tags. De l'eau. Hein. Enfin, c'est le HHH 217 pour vous le dire quand même. Ou avec le petit chat, regardez, le petit chat, il fait du trombone justement. Tiens, c'est du trombone ça justement. Si? Si, c'est du trombone. Ah, c'est une trombone idée. Ça. Et ça, c'est une trombone. Mais si j'ai le droit de dire une, je m'en fous, je dis ce que je veux de toute façon. C'est une trombone idée. Bon. Et ça, c'est une petite plein de bonheur. Je te remercie, c'était tout mignon. Une mini enveloppe, j'aime bien les mini choses. C'est quoi? Ah, mais c'était un timbre, c'était tout mignon ça. Mais si, petite âme. Je t'enverrai une petite carte. Petite carte. Hop là, tout mignon, mignon. Oulala. Et je vais te remettre dans l'enveloppe pour savoir que c'est toi. Si. Alors, je vais remettre ça dedans pour pas l'abîmer. J'ai la collection de cartes que je vais avoir. Je ne vais pas avoir assez de murs. Je n'aurai pas assez de murs. Non, je ne vais pas avoir assez de murs. Et là, nous avons des petites découpes. Là, je vais les laisser sortir. Oh, il y a un petit chien là. C'est quoi? Oh, titi, tout mignon ça. Oh, oh c'est trop charmant. Oui, je l'adore lui. Oui, je l'adore. Je vais regarder. Hein. Si. Il y a la tortue. Hein. Il y a le lièvre. Il y a la tortue. Non, il n'y a pas le lièvre. Je dis n'importe quoi. Ben non, il n'y a pas de lièvre. Hein. Mais par contre, regardez. Oh, c'est tout mignon. D'ailleurs, je vais le laisser dans la pendule. Hein. J'ai le droit de laisser dans la pendule. Regardez, ça va bien. Hein. Regardez, hop là. C'est tout mignon, lui. Hein. Oh, c'est charmant. Mais regardez, lui. Oh, c'est tout mignon, celui-là. J'adore. Oh, c'est charmant. Je les adore. C'est trop, trop, trop adorable.
Hop là. Oh, il y en a un autre là. Oh, c'est tout mignon. Oh. Avec son petit bavoir, non? Ah non, c'est pas un bavoir, je dis n'importe quoi. Il a un bidon. Non, n'importe quoi. On disait qu'il avait un bavoir. On a le droit. Bon, j'ai chaud, moi, j'ai une bouffée. Si, j'ai une bouffée de chaleur. Hein. Oula. Ça doit être la ménopause. Hein. Si, si, j'ai chaud. Elle m'a fait une petite pochette comme ceci avec un velcro pour fermer. Elle l'a fait elle-même. Hein. C'est un papier. Elle l'a fait toute seule, hein, comme une grande. Et alors, il y a un roman. Si, il y a un roman. Il y a un roman. Alors, je vais dire mon roman. Hein. Ah mince. Ah. Ah mais c'est formidable ça. Ben oui. Il y a son fils qui se marie en août. Hein. Ah oui, ça oui. Ah ben ça moi non plus. Hein, les croquettes c'est terminé. Hein. Il mange que de... Ben il mange mieux que moi. Hein. Il mange de la viande 5%, du saumon. C'est vrai en plus. Hein, du foie. Du foie de bœuf, hein, pas n'importe quel foie, bien sûr. C'est ça. Alors, voilà. Plus les vitamines, les machins, les trucs. L'huile de soja. Pas de soja, de colza, je veux dire. Je dis n'importe quoi. Ça. Ah, bah oui. Hein. Ah, bah, disons qu'il faut pas être pressé pour que je réponde, quoi, c'est ça. Vous pouvez m'envoyer tout ce que vous voulez, je veux dire par mail et tout ça, hein, mais il faut pas être pressé pour que je vous réponde, c'est ça l'ennui avec moi, c'est que. Parfois, des fois, je regarde même vos mails, mais je les regarde, je les lis, et je les referme pour penser à vous répondre un jour. Hein. Mais je les lis, par contre. Tout le temps, hein, tout le temps. Par contre, ça, c'est. Parce que, en fait, ce qui me pose problème, c'est pas un problème, c'est que mes mails, quand je dis que j'ai du retard, c'est du retard pour vous répondre. Parce que, des fois, certaines d'entre vous, elles m'écrivent beaucoup, et c'est un bonheur de vous lire pour plein de raisons différentes. Donc, c'est un vrai bonheur, mais du coup, je me sens pas de vous répondre « Ouais, merci, salut, quoi. Enfin, » je sais pas comment vous expliquer. Je peux pas vous... Donc, je lis et puis je referme. Comme si j'avais pas lu, je le mets en marqué non lu pour un jour vous répondre comme il se doit. Et ça, ça me prend beaucoup de temps. Alors, des fois, je craque, hein, je réduis quand même ma réponse. Mais sinon, vous pouvez m'envoyer des photos, des tout ça. Même si je ne vous réponds pas, je les regarde. Je les regarde et je les vois, quoi. Je les vois, je les regarde. Je les enregistre dans mes photos quand vous m'envoyez des trucs. Souvent, je les enregistre. Et puis, quand j'aurai le temps ou quand j'ai le temps, je les regarde. Ça peut arriver, hein, vous voyez. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à une réponse immédiate. Hein. Les seules réponses immédiates que vous avez, c'est quand on fait des partages de drive là, pour les sketchs, les machins, tout ça. Ça, parce que ça me prend du temps aussi. Mais je fais comme ça pour plein de raisons. Mais ça, il n'y a que ça où je réponds très très vite. Hein. Sinon le reste, voilà. Mais je vous lis. Et je regarde, sûr. Enfin, c'est vrai. De toute façon, je ne sais pas pourquoi je dirais ça. Enfin, je n'ai pas besoin de... Donc envoyez-moi ce que vous voulez, c'est pas le problème. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Oh, oh, j'adore. Oh, 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 j'adore cette carte. Tout doux, 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 doux. Oh, 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 j'adore cette carte. Tout doux, 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 doux. Eh ben, cette carte là, je l'ai apprise chez Patty machin truc là, je sais pas quoi là. C'est eux qui font ça, hein. C'est avec eux, on apprend plein de choses avec eux. Et donc moi je voilà, j'adore cette carte. Voilà, j'adore. On peut y mettre des choses dedans et tout ça, je trouve que c'est super. C'est super sympa, c'est original, c'est mignon. Le retour, elle est très bien, elle est très réussie, très très réussie. J'aime beaucoup, beaucoup ta petite carte. Là, c'est ce petit genre de carte que soit je peux garder pour moi. Parce que moi, celle que je fais, j'ai plus. À chaque fois, j'en ai plus. Parce que comme j'en fais pas d'avance, je fais pas de machin, je fais rien, moi, tout ça. Ce que je fais, je l'envoie. Donc après, j'en ai plus pour moi. Enfin, pour moi. Je me comprends, quoi. J'ai pas besoin pour moi, pourquoi faire. Une fois que j'ai fait le tuto, je sais faire la truc, je sais faire le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous avez compris, quoi. Et là, c'est qui? C'est Janou. Janou. Ah. Parce que je veux pas défaire, voilà, je veux pas déchirer le ruban. Hop. Alors, est-ce que je peux ouvrir comme ça? J'essaie de pas abîmer. Hop. On est à combien? On est à. Bon, ça va, ça va. Il y en aura pour deux. Oh, c'est joli ça. Ouh, c'est joli ça. Ouh, c'est beau.
J'adore la couleur. C'est beau ce qu'elle a fait comme pochette. Oh, c'est joli. Oh, c'est trop joli. Oh, c'était tout mignon. Oh, c'est la classe, eh. Oh, c'est une bonne idée, ça. Elle a acheté les strass là, qui se vendent en rouleau, là, et elle en a fait une petite pochette. C'est trop mignon, hein. Ah, c'est une très bonne idée, hein. Oh, c'est charmant. Et elle a fermé là, en faisant une couture avec un ruban. Enfin, c'est même pas. Vous savez, c'est. Ah, mais c'est une bonne idée, hein. Oh, quelle bonne idée. Oh, j'adore. Oh, c'est chic. Oh, j'adore. J'aime beaucoup ton idée. Il fallait y penser. Ouais, il fallait trop y penser. C'est trop, trop bien. Oh, c'est charmant. Oh, c'est charmant, c'est charmant, c'est charmant. T'as compris, quoi. Si, c'est charmant. J'adore, j'adore. C'est pas ma faute, j'adore. C'est trop beau. Oh. Oh, c'est mon prénom. Si, c'est moi, ça. Si, mais j'ai le droit. Non, mais dites donc. Non, mais dites donc. Alors, oh non. Pour se faire, pour se faire. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça, Jaloux. Oh, c'est joli. Oh, c'est trop mignon, le petit paperclip altéré. Enfin, petit. Vous avez compris, quoi. Le gros trombone altéré. Avec. Oh, regardez comme c'est beau. Si, hein. C'est trop joli, regardez. Ah, oh, je le perds. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est trop mignon. Trop, trop mignon. Hein. Il est trop beau. Hein. J'adore. Charmant, charmant, charmant. Oh, c'est trop adorable. Et donc, elle m'a fait. Alors, avec les ronds, là, j'aime bien ce die-là. Regardez ce qu'elle a fait. Oh, c'est bien, c'est trop bonne idée aussi. Hein. Donc, elle a mis une image comme ça. Elle l'a découpée avec son die. Et après, hop, hop là. Oh, c'est joli. C'est trop joli. C'est trop joli. Très, très bonne idée. Hein. J'adore l'idée. Hein. Hop et hop. J'adore l'idée. Oh, c'est trop mignon. Oh. Ah, puis alors, l'image, elle est trop belle. Je sais pas où tu l'as eue, mais alors, on l'a fait comme ça avec la marguerite. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Oh, c'est magnifique. Elle va Janou Enjou. Oh, et alors, le petit ATC, elle a patouillé, donc avec des encres alcool, peut-être, je sais pas. Donc, voilà. Il est trop beau, avec le mauve, le petit escargot tout mignon, mignon, hein. C'est trop beau. Le petit papillon, le brin de muguet. Oh, c'est joli. C'est trop joli, trop joli, trop joli. Comment tu l'as appelé? Ah ben tu ne l'as pas appelé. 1er mai, quoi. Si, ben, tu ne l'as pas appelé. C'est ça. Je t'appelle. N'importe quoi. Si, ben 1er mai, quoi. Trop, trop joli. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. J'adore. Je suis fan, fan, fan de ce que tu as fait. C'est trop, trop joli. Oh là là. Oh là là. Que de bonnes idées, que de bonnes idées. Hein. Ouh là 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 là. Alors, je vais le laisser comme ça. Je vais remettre dans ta petite pochette toute charmante, toute charmante. Oh, c'est d'un chic. Hein. Oh, c'est trop mignon. Bah, t'as compris. Ah, hein. Oh, je suis red dingue de ça. Hein. Puis alors, le rose, là, c'est un joli rose. Un rose tendre là qu'on adore, enfin qu'on adore, que moi j'aime beaucoup aussi. Alors, j'aime beaucoup. Je te remercie du fond du cœur. Ouh là là, ça nous a donné des idées, ça en plus. Hein. Oh si, ça nous a donné des idées. Alors là, c'est qui? Ah bah c'est Janine. C'est Janine, mais c'est Janine T. Hein. Voilà. Alors. Hop là. Oh, tout ce qu'il y a. C'est ça. C'est pas ma faute. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh non, 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 non. Alors, Janine, elle m'a mis des feuilles d'automne. Hein. Si, elle m'a mis des feuilles d'automne au printemps, hein, Janine. Si, Janine. Elle... Oh, c'est joli ça. Oh, elle est belle ta serviette. Avec les petits rouges-gorges et le petit, mais, la, petit mésange. La petite mésange et le petit rouges-gorges. Oh, la petite mésange encore là. Et alors, les petites clochettes, les petites fleurs de printemps. C'est trop beau. Oh, les petits... C'est trop beau. Elle est trop belle cette serviette. Oh, je l'adore. Et c'est quatre fois les mêmes images? Oh, c'est joli. Oh, qu'est-ce que j'aime. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. C'est trop beau. Elle est magnifique, ton... magnifique, magnifique. Et le petit vélo, là, tiens, pour la postière. C'est trop joli. Oh, les petits papillons et tout. Oh, c'est trop frais, c'est trop mignon. Je sais pas où tu les as eues, tes serviettes, mais elles sont trop, trop jolies.
Oh, elles sont trop jolies. Et alors, elle m'a envoyé des feuillages, voilà, pour faire des petites cartes pour cet automne. Si, bah, si, j'ai le droit de faire des feuilles d'automne. Et elle m'a envoyé une jolie dentelle. Elle est belle, ta dentelle, hein. Oh là là. Ah bah tiens, je vais la laisser sortie. Si, bah, vous verrez, vous comprendrez pourquoi. Si, bah si. Ah, faut que j'y pense. Enfin, faut que je... Que, ouais, si, si, je vais la laisser sortie. Oh là là, ça va être trop beau. Vous serez bientôt, hein. Il faut... Ah, mais si, vous serez en temps et en heure. C'est ça. Et les petites fleurs, toutes mignonnes, toutes mignonnes. Ouh, les petites fleurs bordeaux, regardez comme c'est joli. Elles sont très jolies. Tiens, tiens, on a une petite visite. Si, on a une petite visite. C'était qui? Ah, je vais me remettre là-dedans. J'adore tes serviettes. Elles sont trop, trop belles. Hop là. Et la petite carte. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Oh, mon, c'était tout gentil. Si, hein. Si, elle a marqué, hein, ma scrapeuse préférée. Elle a marqué, si. Oh, c'est trop gentil, hein. Alors, elle a fait une, sur une base verte, elle a fait un papier embossé à froid avec des, plein de petites marguerites, des petits... Ah non, c'est des papillons. Ah, mais il y a les marguerites aussi, d'ailleurs, hein. Il est très joli, ta plaque d'embossage à froid. Donc, elle a fait sortir le relief avec une encre rose et le joli brin de muguet, le petit neuro. C'est trop mignon. Regardez la visite qu'on a. Il craque. Il est venu me chercher. Il s'est dit, c'est bon, ça fait 2 heures que tu ouvres ton courrier. Et donc, c'est trop charmant, hein. Oh là là, oui, d'accord, une petite tache, je pourrais te répondre, c'est trop bien. Et alors, un joli petit tag assorti, tout mignon, mignon, hein. C'est trop beau, hein. Vert et rose comme ça, c'est trop beau, hein. Oh, j'adore le mariage de ces deux couleurs-là, hein. Trop, trop joli, regardez-moi ça, c'est trop, trop, trop joli, hein. Ah ouais, vert et rose comme ça, j'aime beaucoup. Ça va, ma mimine d'amour, tu craques? Tu craques. Il est venu voir s'il y avait un truc pour lui. Si? Alors, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu à la caméra, mon bébé d'amour, avec tes belles moustaches au soleil. Il est beau. Mais il est beau. Bon, t'as fini de crâner? Non, mais il crâne maintenant, c'est nouveau ça. Ah, ben c'est bien ça. La pauvre. Sûr. Ah, voilà, elle a donné le virus à... C'est ta fille ou ta belle-fille? Attends, j'ai... Ah, ta fille. Elle a une fille qui s'appelle Astrid. J'adore ce prénom. Et alors, elle lui a donné le virus du scrap. La pauvre. Et pareil qu'elle me suit, la pauvre. La pauvre va peut-être craquer un jour. Hein. Bon, si c'est possible, la pauvre. Alors, je te remercie. C'était trop, 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 trop bien. Voilà. Bon, alors, il y en a... on est presque à la fin. Hein. De toute façon, on va finir comme ça. Hein. Puis c'est tout. Hein. Oh là là, on a droit. Hein. Alors, si c'était qui? Ça, c'est Sylviane. Sylviane. Alors, Sylviane G. Hein. Hop là. Hop là. Oui, mon amour. Il craque. Il craque. Tu viens m'aider, mon amour. Hein? Oui, mon soleil, je t'aime. Oui, t'es beau, je t'aime. Qu'est-ce que tu veux? T'as faim? C'est ça, tu as faim. Mais tu as eu 2 sachets déjà aujourd'hui. Regardez. Ça, c'est des coupes-là de d'ail. C'est ma Josette qui me les a offert. Je les ai du coup. Et je les trouve très très beaux pour faire des tags, pour faire des marque-pages ou une carte, hein, bien sûr. Hein. Je l'aime beaucoup. Elle est très, tu l'as très très bien mis en valeur. Elle est très beau. On a de la compagnie. Hein. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Hein. Oui, il était beau. Ben, bisous. Non, faut pas que je te gonfle, quoi. Tu veux bien, il veut bien être là, mais il faut surtout pas que je le touche. Surtout pas. Vous êtes un petit peu énervé. T'es un peu énervé? Vous avez vu comment c'est un chat énervé? Chat énervé. Oh, c'est joli ce que t'as fait. Hein, qu'est-ce que t'en penses, mon boule? Tu t'en fous? Tu t'en fous? Ouais, tu t'en fous, quoi. Ça t'intéresse pas. Oh, c'est très joli, hein, concentré d'amitié. Elle m'a fait des fleurs plastifiées comme ça. Elle m'a fait un bouquet de fleurs plastifiées. Le papillon découpe dessus. C'est très, très joli. Dans le... Oh, c'est très beau. Il y a une petite une violette. Je pense que c'est une violette. Une... Oh, c'est très beau. Hein. C'est très joli. Sa pla... son papier. Oh, zut. Son papier. Oh, je vais y arriver. Si, je vais y arriver. Ça sent la fin. Ah, c'est la fin. Comment, le papier embossé à froid là sur le, c'est très joli. Alors c'est peut-être une base qui est déjà embossée. Peut-être ça fait partie des collections là que je parlais tout à l'heure, non? Je sais pas. J'en sais rien. En tout cas, c'est très joli, genre, très joli.
concentré d'amitié. Donc elle m'a fait le petit, merci pour, comme ça je peux répondre, ça me fait plaisir de vous répondre. Et regardez, le petit tag assorti à la carte, oh, c'est très joli, hein. C'est très 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 joli. Hein. Oh là là, quel travail. Elle l'a mis dans un plastique, je ne le sors pas, c'est parce que ça le protège comme ça. Mais peut-être vous verrez mieux si je le sors. Regardez comme c'est trop beau ce qu'elle a fait. C'est trop trop joli. Oh là là, c'est mignon. Oh, c'est trop beau. Les trésors, les trésors. Oh, c'est très joli. Hein. Oh là 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 là. Et un petit mot. Donc, je vais lire mon petit mot. Ah si, j'ai le droit. Hein. Alors, j'ai le droit de lire mes petits mots. Ça va, Maroubouille? Tu fais dorer la pilule au soleil? Mon chat, il adore le soleil. Moi, comme tous les chats, d'ailleurs, je pense. Ah, ils sont colorés au gel crayon. Ah oui, les watercolors. Mmh. Mmh. Ah, d'accord. Mais c'est très joli, hein. Très très joli. Hein. Ah oui, tu les as plastifiés, ça par contre, c'est super bien. Bah, évidemment que ça me fait toujours plaisir, mais c'est plus que plaisir, c'est... Ça me touche quoi. Et voilà quoi, ça me touche. Hop là. C'est vraiment super, super, super gentil. C'est adorable. Et vous faites des choses magnifiques. C'est touchant. Oh là. Elle m'a fait des porte-clés. C'est, vous faites ça avec les diamond painting, j'imagine. Hein. Imagine. C'est trop mignon. Hein. Un porte-clés. C'est trop mignon. C'est trop adorable. Et là, c'est. Ah, j'adore cette carte. Bah, j'ai le droit d'adorer. Hein. J'ai le droit d'adorer. Oh, c'est très joli. Puis les tu sais quoi, c'est dedans. Oh, c'est tout mignon. Elle les a plastifiés. Ah non, c'est des petites pochettes plastiques qu'elle fait. Oh, la patience. Oh, le délire. Les demoiselles, les demoiselles, elles sont, c'est très mignon. Et le petit détail du petit strass là sur le vêtement, c'est très sympa, très sympa, très sympa. Et là, c'est Pâques, non? Petit lapin. Ah oui, Pâques, tout mignon, mignon. Hein. Oh là là, c'est joli. Hein. Tu aimes le rose, hein. Je suis sûre que tu aimes le rose. C'est très mignon, le petit ruban de satin comme ça qui passe avec le petit die cut. Ça passe bien ces petits die cut là, travaillés comme ça. Hein. Je sais pas, la pouffie, je sais rien. Je sais pas les mettre en valeur, ces machins, moi, ces die-cut, là. Je sais pas. Vous les mettez bien en valeur, vous arrivez à faire des jolies choses avec, et c'est sublime, sublime, sublime. J'adore, elle est très belle, elle est très réussie. Et elle m'a mis des patouilles à la mousse à raser, tiens, je crois. Ça, c'est la mousse à raser, ça, c'est des projections de pchit. Et puis des jolis petits papiers tout mignon mignon. Donc hop là, donc je vais mettre ça comme ceci là dedans. Hein, c'est pour vous répondre quand vous. Si. Alors pas demain. Hein. Non, pas demain. Mais alors on arrive à la fin les amis. Combien là les amis? Si, hein, vous dites que vous êtes mes amis. Regardez ce joli seau. Alors qui je ne sais pas, je sais plus. Non, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais c'est marrant parce que les seaux comme ça me fait penser à Marielle. Hein. Mais c'est pas son écriture. Non. Elle a le même avec les petits papillons comme ça. Ouais. Et c'est très joli comme seau. Alors je pouvais pas tricher. Non. Par contre, c'est dommage parce que j'aurais bien récupéré le seau. J'ai le droit. Hein. Non, mais dites donc. Je peux. Et je peux. Et je le fais. Hein. Si, je le fais. Je l'ai arraché. Hein. Si, je l'ai arraché. Hein. Mais c'est joli. Hein, sur du vintage. J'ancre un peu le papier blanc là pour dire que je le laisse. C'est pas grave. Ça fait vintage. Ça fait. Ça fait, j'ai le droit, hein, de toute façon, de faire ça. Hein. C'est à moi. Hein. Ah, Roubouille, qu'est-ce que t'en penses, toi, mon cœur? Tu penses à quoi? Il est dans ses pensées. S'il est dans ses pensées, il ne me répond pas. Allô? Chat? Roubouille? Bah, qu'est-ce qu'il y a? T'es en dépression? Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Ça va pas? T'as des problèmes? Il me regarde tout déprimé. Je suis triste, tu sais. Oh, elle a fait le mur en... Mais c'est la fin. Le mur... Faut pas arriver dans la fin des courriers. Faut pas arriver dans la fin. C'est une catastrophe. Hein. C'est un surmanque de quelque chose. Hein. Alors donc, elle m'a fait le faux mur avec du... Vous savez, les...
Les boîtes à œufs, sûrement, hein, je ne sais pas. Hein. Ou autre chose, de toute façon, on n'est pas obligé de faire avec les boîtes à œufs. Moi, j'ai fait avec les boîtes à œufs parce que c'était au moment de Pâques. Hein. Mais vous prenez des morceaux de papier et puis ça marchera aussi. Hein. Des morceaux de papier, vous faites des épaisseurs et puis ça y est, ça marche aussi. Mais c'est très réussi, c'est très joli, hein. C'est très très beau. Hein. Voilà. Puis alors, cet encre or là qu'elle a mis dessus, c'est très joli. Et donc, le muguet qu'elle a fait elle-même, c'est très bien. Hein. Bon, la vache. Mais je vous dis, hein, il y a des artistes. Hein. Alors, Catherine. Ah ben c'est Catherine. Alors, justement, c'est Catherine. Elle n'a pas mis quelle Catherine, mais c'est Catherine Mini Sketch. Je l'appelle Mini Sketch. Si. Et donc, c'est d'elle que je parlais pour les découpes hein, de feuilles, d'herbes et tout ça. Et là, vous voyez, c'est elle qui les a fait, les découpes. C'est elle qui l'a créé. Eh bien, c'est trop bien fait. Hein. Ça fait trop vrai. Ça fait vrai, voilà. Et moi, je trouve que c'est mieux. C'est mieux que certains die, voilà. Bon, là, elle a, mais bon, elle a colorisé machin, tout ça, c'est très beau, c'est très beau. Elle m'énerve, m'énerve. C'est trop magnifique, 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 magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop bien. Et enfin, alors, je ne sais pas qui sera la dernière, mais la dernière, il restera. Enfin, non, j'espère pas. N'importe quoi. Je ne sais pas signer de toute façon. Non, ce n'est pas signé. Regardez-moi ça, cette magnifique enveloppe. Magnifique, magnifique. Et à ouvrir pour le 1er mai. C'est ce que je vais faire. Et après, on se terminera là-dessus. On se terminera là-dessus. Et ensuite, j'irai promener mon petit loulou d'amour, 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 pendant qu'il fait encore beau un peu. Et donc, oh, c'est joli, hein. Oh là là. J'aime bien l'effet de ciel qui a été fait. L'envolée de papillons. Le vase mauve, bien sûr, colorisé en mauve et tout. Regardez comme c'est super bien fait. Avec le bouquet de muguet à l'intérieur. Oui, mon chat d'amour. Il n'en peut plus, il n'en peut plus, il est au bord du. Regardez, c'est joli, hein. C'est très beau. Hein. C'est très joli. Alors, c'est qui? Alors, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? On ne sait toujours pas. Hein. Non, on ne sait toujours pas. M'a fait des petites pochettes comme ça, toutes mignonnes. Ah, bah tiens, il y a le petit ATC assorti. Oh, je ne sais toujours pas qui c'est. Hein. Je suis très, très embêtée. Et là, le petit ATC assorti à la carte. Regardez comme c'est charmant. C'est trop adorable. C'est trop beau. Hein. Et le papillon, il a été colorisé avec des. Je sais pas, ça brille. Hein. C'est des encres. Je ne sais pas si on peut voir. Ça, ah, si on voit un peu, peut-être comme ça, non? C'est trop joli. Je sais pas ce que c'est comme encre, hein, ou comme feutre, ou comme je sais pas. Tous les petits papillons, tout a été colorisé avec des trucs qui brillent. C'est trop joli. Trop joli. Et c'est qui? Ah, c'est Rose! C'est Rose. Rose P. Mais alors là, je ne me rappelais plus que. Donc c'est trop mignon, trop mignon. Et elle m'a fait des petits ATC tout mignons. Là, c'est Rose. Ben, c'est la rosée du matin. Hein. Rosée du matin. Avec les petites, vous avez vu les petits strass, ça représente des perles de rosée. Hein. C'est trop bien pensé. C'est trop bien pensé. Oh, c'est trop charmant, trop charmant, trop charmant. Hop. Et là, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, tout mignon, mignon. Hop. Et là, nous avons un petit mot. Ben, j'espère. Oh, c'est trop charmant, vraiment tout mignon, mignon. Hein. La petite découpe là, elle est charmante aussi. Hein. C'est vraiment très joli. Hein. Très, très, très joli. Ce petit brin de muguet là que tu as réalisé, il est trop beau. Bon, eh bien, sur ce, oh là, si sur ce, 2 heures. Ouais, mais vous la regardez en plusieurs fois. Regardez mon chat. Un robot d'amour. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Au revoir. Merci du fond du cœur pour tous vos envois. Ça m'a fait chaud au cœur. Je vous remercie vraiment infiniment, infiniment, infiniment. Moi, j'ai passé un bon moment. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée. Hein, une belle soirée maintenant. Hein, je pense que c'est quand même assez tard en ce qui me concerne, moi. En ce qui me concerne, il est un peu tard. Ouh là là, oui. Pour dire, il est 18h10. Donc, voilà, je vais sortir mon petit chien d'amour. Ce soir, je vais regarder. J'ai le droit, hein. Non, mais dites donc. Ce soir, je regarde le film sur Grégory. Grégory le Marshall, ils ont fait un film. Alors, je vais sûrement pleurer je vais pleurer les fontaines. Je vais encore. Si, je vais pleurer, pleurer, pleurer. C'est sûr, hein, c'est sûr. Mais je regarde quand même. Si, je vais quand même regarder ça ce soir. Ouais, c'est à 21h10. Mais j'ai le droit. Hein. Mais bon,
C'est sûr, je vais pleurer. Hein. C'est un peu embêtant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Alors, moi, je vais faire ça. Hein. Je ne sais pas ce que vous, vous allez faire, mais moi, je vais faire ça. Puis essayer de ne pas m'endormir devant le film. Je pense pas, ça m'étonnerait. Mais bon. Voilà, je vous embrasse très, très fort. Prenez soin de vous. Et moi aussi, je vous envoie plein, plein, plein de bonheur. Pas de muguet, parce qu'il est tout pourri, mon muguet. J'ai plus que des feuilles sans fleurs et puis avec des trous. Comme je vous l'ai dit, c'est le muguet de la famille Adams. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de... Y a, limite, il n'y a plus de feuilles. Il n'y a plus rien. J'ai rien. C'est pas ma faute, j'ai rien quand même. Non, j'ai pas, j'ai pas. Moi, je vous avais offert un brin de muguet il y a au moins 15 jours de ça. Bah, vous repassez la vidéo et puis comme ça, vous serez content. Puis c'est tout. Hein. Non, je vous remercie du fond du cœur pour tout. Je vous embrasse très fort. Et puis on se dit bah, demain, sûrement. Hein. Bon, demain, demain c'est quel jour? Ah, demain, c'est le 2 mai. C'est l'anniversaire de ma petite sœur qui est partie. Moi, je verrai comment je suis. Mais je verrai. Voilà. Je vous embrasse très fort. À bientôt.